Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. If you're sick and you want to get well, tell him what you want. If you're sick and you want to get well, tell him what you want. If you're sick and you want to get well, tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. The line ain't never busy. Tell him what you want. The line ain't never busy. Tell him what you want. The line ain't never busy. Tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus is on that main line. Tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. Just call him up and tell him what you want. Seigneur, béni soit le Seigneur, mes frères. Béni soit le Seigneur, béni soit son Église. Béni soit le Seigneur, mon révérend. Béni soit le Seigneur, frère Lester. Béni soit le Seigneur, mon révérend. Voici Tommy Organson de retour parmi nous. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon révérend. Chers fidèles, je vous présente mon fils Bobby Joe. Je lui ai demandé de bien vouloir venir avec moi aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, Bobby Joe. Béni soit le Seigneur, papa. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, combien d'entre vous ont des fils dans cette assemblée? Moi. Et vous les aimez, bien sûr. Quelle question stupide. Eh bien, je vais vous en poser une autre encore plus stupide. Enverriez-vous ce fils adoré, en toute connaissance de cause, à une mort horrible, misérable et porteuse de souffrance? Non. Bien sûr que non. Quel est le père qui ferait une telle chose? Hein? J'en connais un qui l'a fait. Et vous aussi d'ailleurs. C'est le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Dieu. Le Père du Christ. Il savait ce qui allait arriver à son fils. Il savait qu'on irait lui planter des clous à même la chair, le crucifier sur cette croix et le laisser périr dans l'amertume et la plus épouvantable des agonies. Il le savait. Il aurait pu intervenir à tout instant. Mais il s'en est abstenu. Il a laissé faire. Il l'a laissé seul face à son destin. Je vous le demande, mes frères, quel est le père qui pourrait en faire autant? Rester à l'écart et laisser la chose s'accomplir? La réponse, elle est ici. Avec d'ailleurs toutes les autres réponses. Car Dieu aimait tellement le monde qu'il lui a donné son fils bien-aimé en sacrifice. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Il avait tellement d'amour pour nous qu'il les a laissés torturer, humilier, mutiler son fils unique. Il les a laissés enfoncer leurs énormes clous dans ses mains si précieuses pour le salut de nos âmes. Si c'était mon fils, je ne peux même pas m'imaginer qu'on lui plante des clous dans ses douces petites mains. Non, monsieur, pas question. Et vous, mes bien chers frères, vous pourriez imaginer cela? Mais lui, il l'a fait. Dieu, dans sa bonté, a été jusque-là. C'est qu'il nous aimait donc tellement. Oh oui. Alléluia. Alléluia.
maintenant, il est temps pour nous de lui donner une petite preuve de notre amour. Des quêteurs vont passer parmi vous. Et tous ceux qui, comme moi, ont été incapables de donner leur fils, donneront au moins, et ce ne sera que faible contrepartie, ce qu'ils ont dans leur poche. Et vous qui nous écoutez chez vous, voici notre adresse, boîte postale du pasteur, 309 Waco, Texas. Je répète, boîte postale du pasteur, 309 Waco, Texas. Et pendant que nous rendons à Dieu un peu de ce qu'on lui doit, Bobby Joe nous fera lecture d'un psaume, mes frères. Le Seigneur est mon berger. Rien ne sera manqué ou il voudra bien me conduire dans les verts pâturages. Et il a su me faire manger et dans les eaux limpides. Et il a désaltéré mon âme. Il me guidera toujours sur le droit chemin et j'irai partout en son nom. Oui, et je sais qu'en traversant la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, parce qu'il est avec moi. Et qu'il me guide avec son bâton et sa houlette. Il m'a apporté le réconfort et il m'a dressé la table devant mes ennemis. Il a béni mon front avec l'huile. Ma coupe a débordé. Je suis sûr que sa bonté et sa miséricorde seront m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Et que je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Béni soit le Seigneur, Bobby Joe. Béni soit le Seigneur, papa. Maintenant, je voudrais dire un grand merci à ceux qui ont rapporté des dons à notre fonds d'entraide spéciale que nous avons créé pour envoyer une mission humanitaire à Jabarté en Indonésie. Le frère Lester vient de m'informer que la somme de 2 millions de dollars que nous nous étions fixés a été atteinte la semaine dernière. C'est bien ça, frère Lester? Oui, révérend père, à 3h05 exactement, lors de l'après-midi du dernier mercredi. Alléluia. Alléluia. Et la construction est déjà commencée à l'instant où je vous parle. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Elle manque de souffle, cette action de grâce. La grippe aurait-elle fait des dégâts parmi vous? Allez-y, maintenant, je veux vous entendre. Béni soit le Seigneur! Voilà, c'est mieux. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont venus jusqu'ici dans le grand espoir de guérir dans leur corps ainsi que dans leur esprit. Alléluia! Je vais demander à mes frères handicapés d'avancer et de se rapprocher de moi. Venez, approchez, venez et guérissez. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Comment t'appelles-tu, mon fils? Charlie Hartwig. Charlie Hartwig. Que t'est-il arrivé, Charlie? Un accident grave il y a 3 ans. Paralysé aux jambes, je n'ai jamais remarché. 3 longues années de paralysie. Quel était ton métier, Charlie? J'étais employé à la compagnie du téléphone. À la compagnie du téléphone? Eh bien, Charlie, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur? Oui, monsieur. Et crois-tu vraiment que notre Seigneur, par la grâce de son Esprit Saint, peut te guérir entièrement et te permettre de marcher à nouveau? Oui, monsieur. Seigneur Dieu, daigne jeter un regard bienveillant sur ton frère Charlie, employé à la compagnie du téléphone. Dans ta bonté, fais en sorte qu'il puisse à la fois remarcher et retravailler. Charlie, je veux que tu sentes sur toi le pouvoir du Dieu vivant, que tu le ressentes vraiment de tout ton être et qu'il te guérisse. Au nom de notre Seigneur, marche, mon fils. Je veux que tu guérisses, que tu marches à nouveau. Seigneur. Mais Dan, qu'est-ce que tu as, Dan? Qu'y a-t-il? Papa, est-ce que tu m'entends? Mais appelez une ambulance! Papa! Mais s'il vous plaît qu'on appelle une ambulance! Allons! Vite, appelez une ambulance! Oh mon Dieu, papa! Dan! Ça va, papa? Oh Dieu de miséricorde! Je vous en supplie, Dan, sauvez-le!
Alastair. Oui. Alors c'est vrai. Il a repris. Oui, effectivement. Oui. Béni soit le Seigneur. Attends, Bobby Joe. Il y a une chose qu'il faut que tu saches avant d'aller le voir, c'est qu'il est paralysé, qu'il ne bouge plus que la paupière droite. La paupière droite? Oui. Merci, ma sœur. Papa? C'est moi, Bobby Joe. Est-ce que tu m'entends? Papa, j'ai prié pour toi, de jour comme de nuit. Et je sais que le Seigneur va te guérir et que tu seras bientôt remis sur pied. Mais que fait-il? J'ai un petit code que j'ai mis au point. Continue. Dan. Ancien Testament, premier livre de la Genèse. 10-20. 10-20, 20-20. Ou 25. Enfin, nous disons chapitre 25. Ouais. Verset 8. Voilà, c'est ça. C'est l'Ancien Testament, la Genèse. Chapitre 25, verset 8. Alors Abraham rend son dernier souffle et meurt au bout de son âge. Non, papa, non, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas. Ancien Testament, premier livre de la Genèse, chapitre 3. Verset 19. Car tu es poussière, et tu retourneras un jour en poussière. Quel autre passage as-tu envie qu'on te lise, Dan? Ancien Testament, 10... 11 livres des rois, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, ce sont les versets 33 et, voyons, 35. Bobby Joe. Tu feras monter mon fils Salomon sur ma propre mule et puis tu le feras descendre à Guignon. Ensuite, je veux que tu l'accompagnes dans sa nouvelle vie et qu'il vienne s'asseoir sur mon trône. Désormais, c'est lui qui portera ma couronne. Bobby Joe, ton père et moi, nous sommes les deux seuls êtres humains à avoir eu accès au grand livre de comptes. C'est une vue complète, très à jour et très détaillée de notre situation financière. Voilà. Tu le vois, c'est plutôt prospère. Le recours à l'audiovisuel nous a un peu saigné comme l'ensemble de nos confrères, mais je crois que nous avons bien résisté à la tempête. Je n'avais pas idée que notre fortune était aussi vaste. Et comment avons-nous fait? Enfin, je sais que la contribution des téléspectateurs ne cesse de s'accroître au fil des ans. Non, il n'y a pas que ces contributions, mon fils. Non, c'est beaucoup plus une question de gestion fiscale. Papa m'a toujours dit que vous étiez un as question chiffre. Non, il ne faut pas m'en attribuer le mérite, non. J'ai fait un rêve dans tous les débuts de ma collaboration avec ton père. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Lester, pourquoi n'iriez-vous pas encourager le révérend à tirer tous les avantages du code fédéral, de l'impôt direct? J'ai dit, mais je l'ai fait, Seigneur. J'ai sollicité une demande d'exonération au nom de l'article 50 et il a dit en tant qu'église. Oh, j'ai dit non, moi, le révérend n'oserait pas mettre en association avec une église établie. Alors il m'a répondu, sache qu'en tant qu'église, tous vos revenus actifs seraient du même coup exemptés de toutes les restrictions, tombant sous le coup des articles A et B. Ainsi, vous pourrez publier des magazines, vendre des objets du culte, voire créer une petite entreprise. Le tout étant complètement exonéré d'impôts, car si l'on s'en tient aux conditions de l'article 6, paragraphe 3,
Vous n'avez par définition rien à déclarer ni à mentionner sur les formulaires 990A et 990P. Vous n'avez en aucun cas à aller justifier ces greffes financières et, selon l'article 1, paragraphe 119, il va de soi que les dépenses que le révérend a pu faire aussi bien pour l'achat que l'entretien de sa résidence, y compris les domestiques, les voitures et la table, sont toutes déductibles du revenu imposable annuel. Sans compter que, d'après l'article 14, paragraphe 2, alinéa le 340A, 9 et le 6, paragraphe 3, il est bien clair qu'il n'y aura payé ni retenu à la source ni cotisation sociale d'aucune sorte pour l'ensemble de ses employés. Quand je lui ai dit « Mais vous êtes sûr, Seigneur ?» Il m'a répondu « Mais vérifie, Lester. » C'est ce que j'ai fait au matin et, comme toujours, il avait tout à fait raison. Béni soit son saint nom. Amen. Bonjour, frère Lester. Bonjour, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, Elisabeth May. Béni soit le Seigneur, frère Lester. Comment vont les choses? Ah, tout se passe à merveille. Oui, et en temps normal, nous rentrons environ 500 000 de dollars par jour. Depuis que ton père a eu son attaque, les gens veulent lui témoigner tout leur attachement et c'est carrément le double que nous percevons. C'est exact. Bien. Mais nous faisons face. Ah, Velma travaille pour nous depuis bientôt 20 ans, hein? Je voudrais vous présenter Bobby Joe, le fils de notre révérend. Enchanté. Ravi de vous connaître. Est-ce que vous pourriez faire votre truc pour le révérend? Volontiers. Velma peut réciter le Notre Père et en même temps compter les billets sans y perdre une seconde et sans commettre la moindre petite erreur. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous des forces du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 4 926 $. Oh, c'est génial, génial, génial. C'est incroyable. C'est un don. Ça me fait peur, Lester. Ma vie entière était jusqu'à présent basée sur les études et l'enseignement au séminaire. Certes, je connais la Bible, sur le bout des doigts, mais je ne connais rien d'autre. Et voilà que d'un seul coup, je vais me retrouver à la tête d'un énorme complexe financier qui joue sur plusieurs millions de dollars sans y être préparé. Ça fait vraiment très peur, Lester. Il n'y a pas de quoi, Bobby Joe. Non. Ce complexe financier qui multiplie les millions de dollars a vraiment pu se mettre en place que pour une raison, et pour une seule raison. Quand ton père se mettait au pupitre et qu'il parlait, les fidèles reconnaissaient en lui la parole et le souffle du Seigneur. Aussi, c'est la seule chose dont tu dois t'occuper à partir d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le plus facile. Tout ce qui est administration, c'est ma partie. Je continuerai à m'en occuper pour toi, comme je l'ai fait pour lui. Papa m'a dit une fois que sans vous, il n'aurait jamais prêché ailleurs que dans les églises de la périphérie. Non, c'est pas vrai. Non. Il prenait bien sûr les grandes décisions, oui, et toute la politique générale, c'était lui, et ça t'incombera aussi, tu sais. Seulement, voilà, on a le temps, ça va se faire doucement, il n'y a pas le feu. Le jour où tu seras prêt, on avisera, mais ce sur quoi tu dois te concentrer en cet instant précis, et qui doit monopoliser ton esprit, Bobby, c'est une chose particulièrement importante. Ton premier sermon. Esther, depuis 35 ans, je n'ai consacré ma vie et mon énergie qu'à ces choses. Je me sens prêt. Vas-y, Bobby. Oh, fais-les vibrer, mon grand. Fais-les vibrer, oh oui. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu que Jésus a dit, il faut que tu aimes ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il s'agit du premier et grand commandement. Le premier et grand commandement.
la plus importante de toutes les lois. Mais comment allons-nous pouvoir l'appliquer? Aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas la chose la plus difficile. Chaque fois que nous admirons ces merveilles de la nature, que sont un coucher de soleil ou la naissance d'un enfant, nos cœurs ne peuvent s'empêcher de déborder d'amour et de reconnaissance pour notre Créateur. Quant à l'aimer de toute son âme, c'est aussi évident. Il nous suffit de consacrer notre âme à Dieu et de l'aimer avec ferveur. Mais comment peut-on aimer Dieu avec notre esprit? Eh oui, l'esprit, c'est le royaume de la raison. Saint Thomas d'Aquin nous a bien démontré que l'esprit ne pouvait traiter que des idées, que l'esprit rencontrait une certaine idée de Dieu et non Dieu en lui-même. Seulement voilà, Jésus nous a enseigné que nous devions utiliser notre esprit pour aimer non seulement l'idée de Dieu, mais également le Dieu vivant et amour qu'il était venu incarner sur terre. Maintenant, si on se réfère à Platon, l'idée que l'on peut avoir d'une chose n'est pas du même ordre que la chose en elle-même. Seulement, à la différence, disons par exemple, d'une chaise, l'idée de Dieu est forcément du même ordre que celle de l'objet en lui-même, puisque Dieu est par définition d'ordre supérieur et qu'il est partout. Donc, Dieu et l'idée de Dieu se confondent. Je n'avais jamais vu une telle chute. Moi non plus, Elisabeth, moi non plus, figure-toi. J'espère que ce sera la dernière. Béni soit Jésus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Entrez. Alistair. J'espère que je ne te dérange pas, Bobby Joe. Non, non, pas du tout, entrez donc. Je suis en train de mettre une dernière touche au sermon de dimanche prochain. Il y sera question du rôle de la prophétie dans le christianisme et dans les religions primitives, et je ferai jouer tous les contrastes. Oh, oui, c'est bien, c'est vraiment fascinant. Oui. Et seulement, voilà, il y a une chose qu'il faut absolument que tu vois. C'est un relevé de nos derniers comptes. Et il indique que dans les 5 semaines de ton ministère, notre chère Église a perdu la somme vertigineuse de 2 millions de dollars par semaine. Les dons publics ont subi une telle baisse. Ah, oui, certains fidèles ont même été jusqu'à demander de se faire rembourser. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi? Ça veut dire que je ne fais pas assez bien passer le message de notre Seigneur? Il faut bien avouer que tu le fais passer de façon désastreuse, Bobby Joe. J'ai pour toi l'affection d'un père, mais je dois te dire la vérité. Mais enfin, je n'en suis qu'à mes débuts. Je parie même que papa n'a pas tout de suite été bon. Non, j'ai assisté à son premier sermon. Il nous a ramené tellement de brebis dans le sillage du Christ qu'on a dit bravo. Dis-toi bien que je n'ai qu'un seul but dans la vie, c'est pouvoir servir Dieu. Et si je ne peux pas prêcher, je n'ai plus rien. C'est pas vraiment servir Dieu. Si on fait prendre un tel bouillon à son église, on a de grosses dépenses, le temps d'antenne coûte très cher, on a un fonds de scolarité à assurer dans nos missions à l'étranger, oui. Nos réserves vont bientôt s'épuiser, on n'en a plus que pour 15 jours. Mais alors, que proposez-vous? Ça me révulse de dire ça, mais peut-être aurions-nous tout intérêt à revendre tout ce qu'on peut et à fermer au plus vite. Ce serait pour moi la seule façon d'en sortir. Mais on n'a pas une minute à perdre. C'est pratiquement notre seule et unique chance de salut. Je dois y réfléchir. Et demander conseil à Dieu. Bien sûr. Tu peux même lui dire qu'on apprécierait un prompt rétablissement. Thank you.
emmène, mon révérend? Au coin de la 28e et de Fillmore. Il n'y a pas un endroit très fréquentable. C'est dans cette humble église que mon père a prêché il y a bien longtemps. Et que Dieu m'a parlé pour la première fois. Il fera peut-être la même chose ce soir. Sûr que c'était ici, mon révérend? Je pense que oui. Seulement, tout est si différent. Excusez-moi, monsieur. Il y avait quand même bien une église dans les environs. Une église? Si, bien sûr, il y en avait une. Il y a 20 ans ou plus. Et depuis, ça s'est drôlement construit, vous savez. Je reviens tout de suite, Nathalie. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ça y est. $5 minimum. Alors, un grand verre de menthe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est à nouveau l'heure de l'éclaterie aux paladines. Je veux des bravos comme s'il en pleuvait. À votre santé, voici Ruth, cette partie. Dangerous. Too many games. And they
J'aimerais savoir s'il est possible de voir cette jeune femme. Ruth, c'est pour toi. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite. Tu peux nous donner notre oseille? Il faut que je me tire. Le taulier m'a demandé d'attendre jusqu'à demain. Alors j'ai dit d'accord. Ah, il est naze ton numéro, ma cocotte. À boule la monnaie. Mais je l'ai pas. Si c'est pour la défense, t'as qu'à utiliser ton propre pognon. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. File-moi mon fric. Non, tu vas me ficher la fesse, espèce de... Pourri! Arrête! Arrête, tu vas m'enlever tes sales pattes de là! T'as pas intérêt à insister, laisse-moi! Non! Et c'est quoi ça, hein? Tu n'es qu'une enflure, un rat! Les gars? Saleté, va! Et moi alors, hein? Où est ma part? Je vous en devez un paquet. Enfin quoi, laissez-moi quelque chose! Juste de quoi acheter une dose! Larry, 10 dollars. Zek! Vous n'êtes que des enfoirés! Bonne nuit. Excusez-moi. Quoi? Est-ce qu'il me serait possible de vous parler un moment? Dis donc, je t'ai rien demandé, alors fous le camp d'ici et laisse-moi tranquille. Vous semblez avoir quelques petits problèmes d'argent et je pense que je suis en mesure de vous aider. Écoute, mon gars. Si j'étais vraiment ce que tu as l'air de croire, alors te fais pas de bile, tu n'aurais pas les moyens. Mais c'est seulement pour parler. Est-ce que 50 dollars résoudrait vos difficultés? Tu me refilerais 50 billets pour parler? Oui, tout à fait. Et si pour une centaine de dollars, je te balançais quelques répliques bien gratinées, hein? Seulement, faudra que tu patientes, j'ai un truc à aller chercher. Ma voiture est dehors, je peux vous conduire? Bien sûr. Je veux savoir d'où tu sors, juste? Eh bien, je suis stocké. Le révérend stocké. Eh ben, ça me fait vachement plaisir de te connaître, mon révérend. Merci. C'est à toi? Ce n'est qu'un cadeau de mon église. On dit toujours qu'au fond des trous, il y a parfois des surprises. Pas vrai? C'est Ruth, c'est ça? On vous a donné un des plus beaux noms qu'on puisse trouver dans la Bible. Oui, c'est mieux que Nabucodonosor. Vous avez une voix exceptionnelle et beaucoup de présence. Merci. Même qu'en vous écoutant, je me suis vraiment demandé pourquoi vous n'étiez pas plus connue. C'est un drôle de métier. Deux fois au moins, j'ai pensé que ça allait se faire. Toujours un truc qui foire. L'année dernière, tiens, par exemple, je tombe sur un directeur de firme de disques qui veut me faire faire un album. Il me convoque à son bureau pour signer les papiers, et voilà que, d'entrée, le gentil monsieur me propose la botte. Alors je lui ai cassé un de ses disques d'or sur la tête. C'est idiot parce que, finalement, c'était un bon mec. En fait, j'aurais plutôt été partante pour une petite partie de plaisir. Mais comme ça, pas chouette, ces mecs, hein? Oh, oh, ça va être là, juste à votre droite. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Ça n'a pas l'air très sûr par ici. Bien sûr, padre. T'es un amour, c'est moi. Ouais. Ouais. C'est moi, mamie. File-moi 6 doses. Vous savez, c'est... la première fois que je m'aventure par ici. C'est du genre très branché. Yes. Le révérend Stockey. Le révérend, mamie. Je suis enchanté. Ouais. Excusez-moi. Ruth?
Ruth, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que c'est une substance illégale? Oui, t'en veux un peu? Non. Ruth, enfin... Quoi? Ça te pose un problème? Oui, oui, un sérieux problème moral. C'est l'argent que je vous ai donné qui a servi à ça. Bon, eh ben on va demander à mamie de rembourser. Vous pouvez me laisser ici? Non, 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 il faut qu'on parle. Il le faut. Chez toi ou chez moi? Ça m'est égal. Est-ce que t'aimes les cafards? Chez toi, c'est mieux. Voilà, c'est prêt. Ah. Est-ce que vous voulez encore autre chose? Un peu de café? Non, padre. C'est super. T'as un sacré cuisinier, hein? Et quand je dis sacré, tu veux me dire pourquoi je suis là? Certainement. Ruth, je veux que vous chantiez dans mon église. Ça me touche beaucoup, mais tu vois, moi je fais du rock'n'roll, pas de la musique d'ange. Non, Ruth, je veux que vous chantiez ce genre de musique. Avec le même enthousiasme, la même ferveur, la même intensité. Il s'agit simplement d'y adjoindre un contenu religieux, une connotation mystique. Ce soir, vous avez chanté une chanson où il était question de votre amour pour un certain Johnny. Dans les bras de Johnny, oui. C'est même moi qui l'ai écrite. Eh bien, vous n'avez qu'à me faire une chanson qui me parle de votre amour pour Jésus. Mais je suis une professionnelle. Je vais même la faire en anglais, ça swing plus. Et pourquoi pas en anglais? Attends. Need to feel too close to me. Oh non, je suis désolée. Mais une minute, qu'est-ce que tu me disais déjà? La seule chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est aller prêcher la parole de Dieu. Je désire de tout mon cœur faire partager aux autres mon amour de Dieu et leur transmettre un message. Mais apparemment, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne sais pas capter l'attention des gens. Oh bah ça, je sais, c'est sacrément coton. Ce que je fais, moi, quand je suis devant une salle un petit peu trop bruyante, je leur laisse entrevoir un bout de sein nu pendant une seconde, et d'un seul coup, tout le monde aime ma musique. Et mon père savait très bien capter leur attention. Et chaque fois que je suis passé derrière lui, il m'a été très facile de me faire écouter des fidèles, mais ça, c'est fini. J'ai besoin de vous, Ruth. J'ai besoin de vous pour capter leur attention. Cet éclat sur les visages de l'assistance quand vous avez chanté ce soir. Cette lueur dans les regards, c'est exactement la même que celle qui illuminait les gens quand mon père leur parlait. Vous êtes comme lui, vous savez toucher le fond des âmes. Non, Ruth, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans mon cœur. C'est Dieu qui m'a fait entrer dans ce bar ce soir. Écoute, padre, merci pour ton omelette et ton pognon, mais... tu vois, c'est pas vraiment mon truc, Dieu et moi, c'est pas le grand amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous avez eu une éducation religieuse? Tu parles, plus que religieuse. Mon oncle était le pasteur le plus respecté, le plus doué de la région de South Philly. Un après-midi, il m'invita à passer dans son bureau, je devais avoir 12 ans, pour me parler des mystères de la Sainte Trinité. En fin de compte, la Sainte Trinité dont il voulait me parler, c'était celle qu'il avait entre les jambes. Ça a tout de suite mis fin à ma carrière religieuse. Désolée, mais je ne peux pas t'aider. Nathaniel vous reconduira où vous désirez. De toute façon, je vais te dire... Ton église, elle n'en est pas encore au point de péricliter, on dirait, hein, c'est pas vrai? Trois nouvelles stations de télé viennent de nous annuler aujourd'hui. Tu passes à la télévision? On était pratiquement retransmis par une centaine de stations à travers tout le pays. Il en reste à peine 80. Dis, et si tu me refaisais une autre omelette? C'est quoi ça? Une Bible et la transcription de certains de mes sermons. Ça peut vous aider pour les textes. Au cas où il y aurait quelque chose que vous ne compreniez pas... Hé! Chélie, je connais mon alphabet et tu peux me virer tes torchons? J'ai quitté les études parce que j'en avais marre de tous ces esprits éclairés qui te prennent pour une débile et qui t'expliquent comment il faut jacter. Écoute... Désolée, je sais pas pourquoi... Non, mais je vous en prie, mais vous excusez pas, c'est moi, je me suis montré terriblement condescendant. Si j'ai envie de faire des excuses, je te les fais, quoi, y a pas de lézard. C'est mon langage qui te dérange. Oh non, pas vraiment.
Jésus-Christ était charpentier, et quand il se mettait un coup de marteau sur le pouce, je suppose que son langage était celui d'un charpentier. Cependant, il faut avouer que vous avez parfois des expressions pour le moins... Crues. Mmh. Et pourtant, crois-moi, je fais de gros efforts, parce que si je m'écoutais... Braoum, boum. De toute façon, t'inquiète pas, j'écris tous les textes en anglais. Oh, attends, j'ai mis un truc au point. Et écoute ça. Basse d'enfer et 1, 2 et 3 et 4. In Jesus' arms, so where I want to be. In Jesus' arms, just Jesus and me. T'as pigé? Au lieu des bras de Johnny, j'ai mis les bras de Jésus. Je continue. I'll be alright, my baby's gonna take me to him. Oh, when I'm in Jesus' arms again. Tu sais, si le rock'n'roll est une musique qui vient du diable, non seulement il est l'incarnation du mal, mais il est sourd. Et je voudrais quand même essayer, Lester. Pendant 15 jours. Et si ça ne marche pas, alors on pourra reparler de la fermeture de l'église. 15 jours? Peut-être qu'on sera déjà tous fauchés, mon fils. Lester, le Seigneur m'a transmis un message. Tout ceci est sa volonté. Je pense sincèrement qu'il m'a fait signe et qu'il m'a parlé. Il vient de me parler à moi aussi. Et il a dit, j'annule le message précédent. Non, Bobby Joe, je peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas les effets. Lester, est-ce que je suis, oui ou non, le nouveau chef de cette église? Pas encore, Bobby Joe. Pas encore tout à fait. Dan, je suis désolé de devoir t'ennuyer avec ça, mais nous avons une grande décision à prendre et j'aimerais qu'elle vienne de toi. Et quelle que soit ta réponse, nous la respecterons. Quel est ton souhait, Dan? Serais-tu prêt à remettre l'avenir et la survie de ton église entre les mains de cette jeune femme et de sa musique? Deuxième livre des rois, chapitre 12, verset 4. Et ainsi, il est bien clair que les sommes que chacun décidera, selon son cœur, d'apporter à la maison de notre Seigneur seront reçues par ses prêtres. Et il leur appartiendra par la suite de réparer eux-mêmes toutes les dégradations de la maison qu'ils peuvent trouver. Ça veut dire dépenser le pognon, c'est ça? C'est ça. Attention, on passe à la télévision. C'est moi qui écris ce morceau. C'est censé déménager. Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez! Allez, waouh! Vincent, tu connais bien la Suisse, hein? Non. Eh ben, tu vas y aller. Qui est? À la banque. Dieu nous aide. Et on pourrait pas ouvrir. Et quelqu'un pourrait peut-être nous mettre l'air conditionné ici. Vous ne croyez pas qu'il fait plutôt un peu trop chaud. Je peux plus le respirer. Il s'appelle comment, ce foutu réalisateur? Ethan. Ethan! Oui, Ruth.
Bon, j'ai jeté un œil sur les premières mesures dans l'instrumental. Je veux que les changements de plan se fassent sur le tempo. Je suis désolé, c'est pas évident quand il n'y a pas la musique. En plus, il n'y a pas les mots pour me guider. Bon, eh ben, je vais t'en mettre des paroles, mon vieux. Là, c'est la batterie, papa, pa, poum. Là, c'est la basse, papa, pam, poum. Et là, pour la guitare, papa, pam, poum. Et après, c'est moi. Bon, allez, à ton tour. Bon, d'abord la basse, papa, pam, poum. Ensuite la batterie, papa, pam, poum. Quelqu'un pourrait m'apporter de l'eau glacée. Et après la guitare, papa, pam, poum. Et ensuite c'est à toi. Eh ben voilà, c'est ça. Désolé d'être aussi long. Qu'est-ce qu'on fait pour mon solo? Est-ce que quelqu'un s'occupe de l'air conditionné? Je peux plus supporter cette chaleur, il me faut de l'eau glacée d'urgence. Ruth, est-ce que je peux faire quelque... Non, je t'en prie, pas maintenant. Ruth, c'est pour mon solo. J'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée si je garde le fa mineur jusqu'à la fin de la phrase et qu'ensuite je passe en si bémol. Tu fais ce que tu veux, mon grand, mais je t'en supplie, fiche-moi la paix. Ouais, merci, bonjour l'ambiance. Bobby Joe. Bonne chance. Ruth, qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout. Que se passe-t-il? Rien, laisse-moi tranquille, s'il te plaît! Ruth, vous êtes malade. Je t'en prie. Tout va bien. Tout va bien. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais vous envoyer à l'hôpital. Non! Ruth! Non, non, pas d'hôpital! Ils vont me garder. Il faut que je chante demain. Personne ne pourra m'en empêcher. C'est comme ça, tu comprends? Mais laissez-moi au moins appeler un docteur. Non, il va me mettre à l'hôpital! Écoute, c'est pas la première fois. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Sinon, remontez. Parfois, la cocaïne provoque ce genre de crise. En général, j'arrive toujours à la maîtriser. Ils pourront rien faire pour moi dans un hôpital à part me mettre au lit et à attendre que ça se passe. Et... crois-moi. Ruth. Promets. Je ne peux pas. Promets. Promets. Très bien, très bien. C'est promis. Oh mon Dieu. Oh, Seigneur, sauvez-la. Jésus, sauvez-la. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Ruth? Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Alors, où elle est, ma bouffe? Oh, béni soit Dieu. N'en rajoute pas, Padre. Calme-toi. C'est quand, l'émission? Mais vous vous sentez vraiment bien. Je te l'avais dit que ça passerait. Mais je te remercie pour ta confiance et de m'avoir soutenu. Je sais que c'était difficile pour toi. Oh, Ruth... si jamais il vous était arrivé quelque chose... Chut, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me rappeler quelque chose. Tu es un homme de Dieu? Non. J'ai oublié de nourrir le chat.
Ruth, je n'avais encore jamais été avec une femme. T'en fais pas, Padre. Moi, si. C'est pas étonnant que le péché soit si dur à combattre. Eh bien, merci, monsieur. Tu as vraiment été? Enfin, comment dire, avec une femme? Bon, je crois pas. Comment ça, tu ne crois pas? Je me retrouve parfois dans des galères que je sais plus si c'est masculin ou féminin. Tu n'as vraiment jamais eu de petite amie? Oh, si, j'ai été fiancée une fois. C'est vrai? Une fille très bien, d'ailleurs. Je l'aimais énormément. Mais elle m'a laissé. Disons qu'elle avait besoin d'une vie plus excitante. Elle a épousé un professionnel de football. C'est dur de rivaliser avec ça. Et vous n'aviez jamais... Ben, c'est qu'on était seulement fiancés. Évidemment, ce que je suis bête. Ruth, épouse-moi. Oh, padre, on a un spectacle, ce sera. Un service. Comme tu veux. Pour vous, Lester. Allô? Ah. Oui. Merci. Un moment, s'il vous plaît. On vient juste de m'apprendre que le révérend Dan, notre chef, bien-aimé et ami, nous a été enlevé. Il repose désormais aux côtés de notre Seigneur. Je vous propose un instant de recueillement. Prions pour que repose en paix une âme si noble et si aimante. Amen. Amen. Ne soyez pas des hypocrites, Matthieu chapitre 6, verset 16. Eh oui, mes amis, sachez que le succès est tel qu'il s'agit de la meilleure vente d'albums de musique religieuse de l'histoire. Et les précommandes du second nous promettent déjà d'affirmer que Satan Sucks sera à coup sûr récompensé par un disque de platine. Béni soit le Seigneur. Dès la semaine passée, le simple qui en est extrait était déjà 30e au classement national du hit parade. Alléluia! Grâce aux revenus émanant des ventes d'albums, des cassettes, des compacts de disques, des éditions musicales et des droits vidéo, nous sommes certains que notre excellent travail pourra continuer à se développer de façon régulière et durable. Béni soit le Seigneur. Évidemment, mes amis, vous savez que notre Église n'est pas la seule à bénéficier de ce phénomène. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, la presse et les médias s'acharnaient sur ce pauvre petit Tommy et sur Jimmy. Et dans l'opinion publique, l'image de l'évangélisme était très mal vue. Eh bien, c'est gagné.
Grâce à cette jeune femme, cette image a retrouvé tout son rayonnement, comme par miracle. Enfin, c'est là, voyez, là, le renouveau des renouveaux, d'un bout à l'autre de la nation. Ah, au fait, j'ai une révélation importante à vous faire, mais s'il vous plaît, n'en parlez pas. Gardez-la pour vous. Un de nos plus grands réseaux nationaux nous a approchés. Il veut retransmettre nos services à l'échelle nationale. Créneau grand public et heure de très grande écoute. Alléluia. Ça va même encore plus loin que ce que papa aurait pu imaginer. Oui. Grâce à cette nonne venue du ciel, on a engagé le meilleur réalisateur de télé de notre pays pour mettre en scène les séquences musicales de Ruth. Et croyez-moi, il ne vient pas pour rien, mes amis. Et par le ciel, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour cette dame après tout ce qu'elle a fait pour notre église. Comment ça va? Venez les enfants, mettez-vous par ici. Et ne bougez pas. C'est formidable de vous avoir. Arrangez-vous bien. Voilà. Oh, bonjour, comment ça va? Oh Seigneur, quel spectacle! Bonjour mes enfants et bienvenue. C'est le frère Lester. Oh, mais vous êtes si adorable. Oh mon Dieu, les jolies fleurs. Vous voudrez bien les donner à Sœur Ruth, s'il vous plaît? Mais bien sûr, tu parles que je l'ai fait. C'est trop mignon, merci beaucoup. Merci, frère Lester. Béni soit le Seigneur, frère Lester. Vous restez bien ensemble, surtout. On va entrer dans le hall et la visite va commencer. Désolée, chérie. Qu'est-ce que tu disais? Toute cette gloire, cette adulation, ce succès, est-ce que ça vous a changé d'une certaine façon? C'est pas à moi de le dire, n'est-ce pas, Eric? Eric est mon guitariste préféré, je le traîne depuis toujours. Eh, est-ce que le succès m'a changé ou quoi? Oh, non, pas du tout. Elle est restée la garce prétentieuse et arrogante qu'elle a toujours été. Merci, Eric. Oh, pas de problème. Une dernière question, et ce sera tout. La plupart des gens, et spécialement ceux de la jeune génération, trouvent votre façon de chanter et de parler du Christ tout à fait honnête, rafraîchissante et saine. Mais que dites-vous à cette frange du public qui objecte que votre langage à l'église est vulgaire et obscène? Je leur dis, c'est beau. Oignons. Ah, ah oh. Bon, je crois que ça devrait aller. Et encore merci, Sœur Ruth. Non, 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 ne bougez pas, ça ira. Ah, très bien. Viens ici, beau matelot. Non! Non! Ah, non, non, lâche-moi, t'es fou, non! Mais non. Qu'est-ce que tu crois? Madame est arrivée! Ah, non! Ah. Oh, oh non! Allez, va ouvrir. Ouais. Mais ne change pas d'idée. Ouais, t'inquiète. Notre sœur à tous est disponible? Ruthie, est-ce que tu es disponible? Tu devrais le savoir, non? Oh, salut Lester. Bonjour. Oh, Eric s'apprêtait à partir. Béni soit le Seigneur. Ah, absolument, oui. Notre nouveau réalisateur est arrivé, j'ai pensé que vous aimeriez qu'on vous le présente. Oui, bien sûr, attendez ici, je vais enfiler quelque chose de plus convenable. Vous avez apporté quelques fleurs. Ah, c'est gentil.
Oh, Lester, pendant que j'y pense, j'ai un petit problème. Il s'agit d'une certaine substance à laquelle j'ai recours de temps en temps. Et comme j'ai de plus en plus de mal à me le procurer moi-même et que je ne veux pas demander aux copains, je me suis dit que vous pourriez peut-être venir à mon secours. Cocaïne, vous me posez vraiment un problème complexe au point de vue moral. Écoutez, la machine ne peut pas donner sans ça. Pas de cam. Au revoir, sœur Ruth. Ah, c'est fabuleux de voir comment les problèmes moraux les plus complexes peuvent se résoudre très vite. Vincent ? Monsieur, Ah, bonjour. Mais permettez-moi de vous présenter, sœur Ruth, voici Roger Dalton. Oh, bonjour, je ne saurais vous dire tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer. Allez-y, vieux, dites. J'ai pu visionner quelques-uns de vos passages cette semaine et je vous ai trouvé fantastique, quel talent. Merci. Je vous ai moi-même vu en photo dans le tout dernier People magazine et j'ai dit... Voici l'homme que je veux. Ah, c'était un article plutôt flatteur, à vrai dire. Je me suis contenté de la photo. Alors, que pensez-vous de nos installations? Oh, c'est très impressionnant, mon cher. Dieu m'a l'air d'avoir presque plus de moyens que Barry Gordy. Oui, maintenant que vous avez vu nos cassettes, avez-vous des suggestions à faire sur ce qu'on pourrait peut-être améliorer? Eh bien, pour commencer, je pense... qu'il est mauvais pour Ruth d'être regardée devant ce genre de choses. Ça distrait l'attention et ça risque de l'écraser. J'aurais besoin d'un cadre plus intimiste et d'un bel éclairage tamisé pour recentrer toute l'attention sur elle. Bien sûr, avec cette horreur, on arrive à l'effet inverse. Mais j'aimerais qu'on enlève tout de suite, si vous voulez bien. C'est bon pour moi. Oui, c'est formidable. Virez le Christ. Virez le Christ. Virez le Christ. Ah, oh. Oh, Bobby Joe, Monsieur Dalton, je voudrais vous présenter notre révérend Stockey. Voici Roger Dalton, Bobby Joe. Enchanté. C'est vraiment formidable d'avoir quelqu'un de grand talent et de votre expérience pour nous aider à répandre la bonne parole. Merci. Monsieur a visionné nos cassettes, Bobby Joe. Il y a quelques idées intéressantes sur la façon de mener et de mettre en valeur la partie musicale. Ah. Oh. Je vous en prie, dites-moi comment je pourrais rendre mes sermons un peu plus efficaces. Eh bien, mon cher, c'est facile. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que pendant la durée des sermons, on pourrait organiser autour de vous une chorégraphie illustrant le thème que vous êtes en train de traiter. L'idée n'est pas de moi. Miss M. Paul MacPherson l'a déjà fait il y a 50 ans. Mais avec la technologie actuelle, on pourrait vraiment obtenir de très très grands effets. Par exemple, si vous traitez les 10 commandements, on pourrait avoir, tenez, je ne sais pas moi, 2 tablettes géantes et voir le commandement dont vous êtes en train de parler s'inscrire dessus comme par magie. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Oui, c'est vraiment très intéressant et plein d'imagination, mais peut-être que ça risque de détourner l'assistance du contenu de mon sermon. Je n'avais pas pensé à ça. J'espère que je n'ai pas vexé Roger. Je suis vraiment très très content qu'il soit avec nous et je sens qu'il va faire de l'excellent travail. Moi aussi. Je suis un peu pointilleux pour les sermons. Je devrais même dire égoïste, mais il ne faut pas oublier que c'est la seule partie du service qui soit encore totalement la mienne. Sans ça, eh bien, j'aurais l'air d'un présentateur de télé, et ma seule raison d'apparaître serait de venir dire « Et maintenant, voici Ruthie ». Eh, me critique pas. C'était qui ce type dans la Bible? Saint Jean-Baptiste, c'est ça? Important, le mec. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que d'aller dire « Et maintenant, voici Jésus ». Oh, Ruth, pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Je t'aime bien trop pour ça, padre. C'est dur pour moi, Ruth. Chaque fois que je fais l'amour avec toi, je rentre dans ma chambre et je m'agenouille devant Dieu en un affreux repentir. Ça risquerait d'enlever un certain piquant à la chambre. Je ne peux pas continuer comme ça, à lui demander de me pardonner encore et encore. Bien sûr que tu peux, c'est son boulot, c'est vrai. Non, le monde est déjà créé, alors qu'est-ce qu'il ferait toutes ces journées s'il n'avait pas à pardonner aux pécheurs? Il serait carrément au bord de la déprime. À moins qu'il y ait un golf là-haut. Oui. Je t'adore.
Je sais, je sais. Je vais répondre. Allô, ici la loge de Sir Ruth. Oui, lui-même. Ah, bonjour, Lester. Ah non? Vous lui avez parlé? Vous êtes Sir Ruth? Oui. Avec les compléments du frère Lester. Ah. Vous ont-ils dit autre chose? Ah. C'est très discret, merci. C'est quoi ton nom? Vincent. Tu travailles pour l'église? Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tout ce qui a besoin d'être fait. Eh bien, merci Vincent. C'est un plaisir. Pour moi aussi, mon cher. Ah bon? Ils ont vraiment fait une offre? Alléluia! Et quand? Et bien sûr, je vais lui dire tout de suite. C'était Lester. Il vient de parler avec les grands journalistes de cette chaîne qui nous proposait un créneau au grand public et tout et tout. Eh bien, ils nous font une offre définitive cette fois. Non, c'est sérieux? Oui, deux des directeurs sont ici dès ce week-end pour venir en discuter. Tu sais ce que ça signifie? Quoi? Ça signifie que tout ce pays ne fera plus qu'une seule congrégation et je deviendrai son prédicateur. Béni soit le Seigneur. Béni soit la parole de Dieu. Every time you turn away, you turn away from him. Jesus came to teach love. He was the living proof. As he loved you, and stand up for the truth. You know your debt is overdue. Every time you turn away, you turn your back on him. Think about the price he paid when he died for your sins. Turn your back on him. Every time you turn away, break his heart in two. You turn your back on Caméra 4, maintenant. Every time you turn away, he was so good to bon, c'est bien. Va sur le guitariste. Every time you turn away, every time you turn your back. Chouette, ça fabuleux. Chauffe, ça chauffe, mon vieux. Quelle pêche! Attention, caméra 1. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir, mes frères, du concept de pénitence, en m'appuyant sur le livre de Baruch dans l'Apocryphe. Et bien sûr, même si nous ne reconnaissons pas vraiment l'Apocryphe comme étant d'inspiration divine, il n'empêche que nous lui reconnaissons sérieux historique et pertinence. Ah. Je voudrais vous présenter M. Peterson, le responsable des programmes, ainsi que M. Feldman, le vice-président du département des variétés. Je ne vous la présente pas, vous savez qui c'est. Bonjour. Et le révérend Stuckey. Enchanté. Moi aussi, révérend. Révérend. Je suis encore sous le charme, c'était extraordinaire, ma sœur. Merci. Enchanté. Je suis encore tout bouleversé. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous, monsieur. Nous sommes ravis de vous accueillir.
et flatté du grand intérêt que vous nous portez. Croyez-moi, c'est nous qui sommes heureux d'être ici. Vas-y, Hank. Eh bien, notre antenne a parfaitement conscience de l'extraordinaire renouveau du sentiment religieux et de l'intérêt qu'il suscite dans l'Amérique d'aujourd'hui. Traduction. L'indice d'écoute relevé par Tommy Baker il y a un an est du domaine du passé. Nous avons pensé qu'il était temps de donner à cette réalité la place qu'elle mérite et de mieux la programmer. Traduction. Nous pensons avoir trouvé le moyen d'enfoncer CBS aux heures de grande écoute. À quelle tranche horaire avez-vous pensé pour nous? Nous ne voudrions pas trop nous avancer. Certes, notre chaîne est très excitée par cette idée, mais nous avons quelques problèmes. Disons que nous avons testé certaines vidéos de vos récentes prestations. Testé? Oui, nous avons des centres prévus à cet effet. Nous invitons des gens pris dans la rue à des projections spéciales concernant les nouveaux projets de programmation. On leur demande d'appuyer sur un bouton fixé à leur fauteuil quand ils voient à l'écran quelque chose qui les intéresse ou qui les réjouit. Un ordinateur classifie les résultats et on peut ainsi mesurer la réaction potentielle que susciteront ces émissions. Et en ce qui nous concerne? Eh bien, Sœur Ruth a fait, comme on dit, un malheur. Elle a pratiquement raflé les mises. C'est exceptionnel. Oui, seulement voilà, dès que le révérend était à l'écran... Il y avait beaucoup moins de monde pour appuyer sur le bouton. Nous avons cru à une panne d'électricité au début. Mais la réalité était beaucoup plus cruelle. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Seriez-vous en train de dire qu'il ne faudrait garder que Sœur Ruth et m'enlever? Oh non, pas du tout. Non, vous constituez à vous deux une équipe, une formidable équipe. Absolument. Je dois dire que vous êtes parfaitement complémentaires. Et si Ruth est si pétillante et si excitante, vous, révérend, vous êtes très... Terne. Oui, c'est vraiment le mot qui convient, terne. Non, mais ce n'est pas mauvais. Le manque de relief a son importance dans le saupoudrage de nos programmes d'aujourd'hui. Prenez Sœur Ruth, elle n'est pas du tout conventionnelle. Elle innove, et cela pourrait presque effrayer le téléspectateur moyen. Non, croyez-moi, ce dont Sœur Ruth a le plus besoin à ses côtés, c'est de la présence ordinaire d'une personne très passe-partout et terne, à laquelle le téléspectateur pourra s'identifier. Moi? Tout à fait. Quand ils verront qu'une personne telle que vous ose s'afficher aux côtés de Sœur Ruth, ils se diront, cette femme doit être très bien, et ainsi rassurés, ils pourront l'apprécier. Et alors, que nous demandez-vous exactement de changer dans nos services? Eh bien, rien de fondamental. On voudrait seulement couper un peu dans certains sermons un peu longs. En tout cas, n'hésitez pas à les réduire. Vous vous rappelez le Ed Sullivan Show? Ah, vous parlez! Il faut bien savoir que Ed ne faisait jamais de numéro personnel. Il ne chantait, ni ne dansait, ni ne racontait d'histoire. Il ne faisait que présenter les artistes. Mais c'était son émission. Tout le monde le connaissait. Et on lui faisait confiance. Et c'est comme ça que nous voyons le révérend Bobby Joe. Une sorte de Ed Sullivan de la chrétienté. Et voici Ruthie. Vous savez, révérend, bien que Gary et moi nous soyons à fond pour ce grand projet... Oui, à fond. Léonard Everett, notre président-directeur général, reste encore à convaincre. Mais si vous tenez compte de nos remarques et si vous savez lire entre les lignes, nous pouvons vous garantir que nous conclurons cette affaire. C'est du bronze. Bon, je crois qu'il faut qu'on aille d'urgence à l'aéroport. Absolument. On attend très bientôt de vos nouvelles. Avant que vous ne vous en alliez, Monsieur Peterson, Monsieur Feldman, j'aimerais quand même qu'on se mette d'accord sur un petit détail. Et ces fameux petits sermons que vous voulez éliminer ou raccourcir, c'est la base de toute l'histoire. N'oubliez jamais que c'est pour ça qu'on est là. Ça s'appelle prêcher la parole de Dieu. Quand le Christ a été faire son sermon sur la montagne, il ne l'a pas testé avant. Il n'a pas été trouver les gens dans la rue en leur disant « Je vais essayer un slogan sur vous. Bienheureux les humbles parce qu'ils auront la terre en partage. Est-ce que ça vous plaît ou pensez-vous qu'il faudrait élaguer ?» Non. Il a dit exactement ce qu'il avait à dire. Et le révérend Bobby Joe dira lui aussi tout ce qu'il a à dire. Et ni vous, ni ce monsieur Everett, ni tous ces foutus presseurs de boutons que vous ramassez dans le caniveau ne l'en empêcheront. Voilà, c'était le seul petit détail que je voulais préciser. On vous suit complètement, n'est-ce pas, Hank? Absolument. Car loin de nous toute idée de vouloir interférer dans le contenu religieux. Il faut bien vous dire que Absolument. Notre rôle ici se limite à faire quelques suggestions. De simples hypothèses d'esprit. Et tout ce que vous avez envie de faire est parfait pour Gary et pour moi. Et je sais qu'Everett aimera ça lui aussi. Absolument. Bon, cette fois, je crois qu'il faut vraiment qu'on y aille. Ce fut un enchantement, chers amis.
C'est une chance de collaborer avec une artiste telle que vous, sœur Ruth. Au revoir. C'est un privilège. Au revoir. Et je sais déjà que nous allons faire de grandes choses ensemble. Vous êtes un petit chef-d'œuvre du bon Dieu. Tu as été formidable. Tu m'as merveilleusement bien défendu. Ce n'était pas du tout pour te défendre, Andouille. J'ai voulu montrer à ces deux enfoirés qui menaient l'émission. Je suis bonne, et ça je le sais. J'ai voulu qu'ils sachent que je le savais, et c'est chose faite. Maintenant, je vais te parler franchement. T'as intérêt à mettre ton numéro au point et en quatrième vitesse. Peut-être que leur chaîne avalera tes trucs gnangnan et que le bon Dieu sera content de toi, mais il n'est pas question que je te laisse saboter mon passage à la télé nationale. Est-ce que tu me comprends? T'as des progrès à faire, mec! Oui, Ruth. Tu as raison. Enfin, pourquoi tu me laisses te parler sur ce ton? Écoute, t'as déjà vu Oral Robert et Billy Graham faire leur cirque insensé. Eh bien, tu n'as qu'à faire comme eux. Allez, padre. Ça va être à toi. Tu vas y arriver. J'y arriverai. Tu vas voir. Je vais les convaincre. Pêcheurs, je vous avertis! C'est pas vrai, il est dingue! À moins d'avoir la possibilité de renaître, l'homme ne pourra jamais s'asseoir à la droite du Très-Haut! Mais, si vous voulez obtenir votre salut, vous ne devez prier que par la seule intercession de Jésus-Christ! Et s'il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, vous entendez? C'était comment? Oh, c'était mieux. Seulement, il faudrait maintenant que tu travailles les nuances d'expression, mais c'était mieux. Hein. Je me sens drôlement bien. Dans 20 secondes, Ruth. Merci. Oh, zut. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je vais être malade. Allez chercher quelque chose, vite. Non, non. Laisse tomber, c'est trop tard. C'est la troisième fois cette semaine. Non, pas de docteur. Je l'ai déjà appelé et il va arriver. Alors rappelle-le. Mais non, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit, c'est rien de très grave, je suis enceinte, c'est tout. Quoi? T'en es sûre? Oui, j'ai fait un test, t'inquiète pas, je ferai en sorte que le polichinelle ait une sépulture. Tu vas me faire le plaisir de décommander le docteur. Lester, s'il vous plaît. Ruth! Mais c'est merveilleux. Il faut qu'on se marie maintenant. Mais Padre, tu débloques ou quoi? Je suis presque arrivée à 3 mois. Et alors? Alors, ta congrégation est plutôt composée d'intellectuels fumeux, mais ils savent compter. Tu peux dire adieu à ton ministère et moi à ma carrière. Tu n'iras pas convoiter les fesses de ta chanteuse. Lester, expliquez-lui. Elle a raison, Bobby Joe. Ça pourrait sonner le glas de notre cher et merveilleux mouvement. Je crois pas qu'il survivrait à un nouveau scandale. Mais Ruth... Qu'est-ce que tu dis, toi? Et que vas-tu faire de ce bébé? Il n'y aura jamais de bébé. L'avortement? Non, pas l'avortement! L'avortement. Non, je ne peux pas te permettre ça. Je ne veux pas. Tu n'as rien à voir là-dedans, mon vieux. C'est de moi et de mon corps qu'il s'agit quand même. Oui, mais c'est ma semence qui s'y est répandue. Ah ça, j'en suis pas vraiment sûre. Il y a quand même pas mal de jardiniers qui sont passés faire leurs petites plantations. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est moi qui prends la décision, et je la prends toute seule. La seule chose qu'il nous reste à définir, c'est où et comment le faire passer au plus vite et dans la plus grande discrétion. Pourriez-vous me faire venir immédiatement Vincent dans la loge de Sœur Ruth, s'il vous plaît? Merci. Dans quelle branche avant de faire ce boulot? J'étais en prison. Comment tu as fait pour passer de la maison de correction à celle de Dieu? Eh bien, le révérend Dan est venu prêcher un jour à la prison.
Quand il s'est mis à parler, c'est comme si d'un seul coup le sol s'est ouvert sous moi. Moi, en bas, il y avait un cratère de feu et de vase. Des monstres et des démons me disaient « Viens ». Tu veux dire que l'effet était tel que tu avais cette impression ? Non. Ça s'est produit. J'ai décidé de changer d'existence et de servir Dieu. C'est bien vu. La femme qui va m'arranger l'histoire, tu es sûr qu'elle ne mangera pas le secret ? Oh, j'en suis sûr. Est-ce qu'elle a déjà fait ce genre de choses ? Je pourrais lui confier ma propre mère. Tu sais que t'as de l'humour, Vincent. Ouais, disons que c'est par moment. Allons, mon petit Bobby, arrête! Arrête! Maintenant, tu vas te redresser, mon garçon. Redresse-toi, s'il te plaît. Je l'ai laissé partir. Mais enfin, si elle est partie, c'est que c'était son choix à elle. Tu n'avais absolument rien à dire. Oh, mais je me sens si médiocre. Une question qu'il faut que tu te poses, mon fils. Est-il préférable de se sentir médiocre en ayant une église qui sert l'image et la grandeur de Dieu ou se sentir clair à l'intérieur en n'ayant rien à lui offrir? Mais je crois que le pire, c'est que je suis toujours amoureux d'elle. C'est que j'ai encore envie d'elle. Oh, mon pauvre papa aurait honte de moi. Oh, ton cher père comprendrait très bien. Il pourrait même te donner des leçons, lui. Et comment ça? Quoi? Non, c'est rien. Oh, et puis zut! Peut-être qu'il vaut mieux que tu saches. J'ai aimé ton père plus que toute autre personne au monde. C'était vraiment un homme formidable. Mais il faut bien te dire que ce n'était qu'un homme avec ses faiblesses et ses péchés. Comme d'ailleurs chacun d'entre nous. Et lui aussi aimait beaucoup les jeunes chanteuses. Oh, je ne pense pas qu'il y ait une alto ou un soprano dans toute la chorale avec laquelle il n'ait pas connu un duo d'amour à un moment ou à un autre. Mon père? Il y aurait même eu deux ténors, seulement ça, je ne pourrais pas le jurer. Alors que ma pauvre mère était encore en vie? Il s'est senti sale et médiocre comme toi, mon fils. Et il a voulu quitter son ministère. Mais il ne l'a pas fait parce que Dieu n'a pas voulu qu'il le fasse. Il m'en a fallu du courage et du coran. Mon Dieu, quel homme! Tu dois faire comme lui, Bobby Joe. Tu dois continuer son œuvre. Sois digne de ton père, il faut qu'il soit fier de toi. Accroche-toi, Bobby! I wish that I had.
don't be angry, I never meant to be bad. He always said he would stand by me. Now he's free. Thought that love was meant to last. Now I'm growing up too fast. How can I be sure? I'm so confused. No one else could tell me what's right. How can I be sure? I'm asking you. Mama, won't you help me tonight? Guéris les malades et purifie les lépreux, Matthieu, chapitre 10, verset 8. Si cette femme est ici, c'est qu'elle croit en l'amour de Jésus. Et grâce à son intercession auprès de son divin Père, elle pourra guérir de son mal et sourire à nouveau à la vie. Au nom de Jésus, nous prions de tout notre cœur pour que l'Esprit Saint descende et rende à Débissou, notre sœur, le plein usage de son bras. S'il te plaît, Seigneur, nous t'implorons de la guérir. Allez-y, bougez votre bras, Débissou. Je suis désolé, Débissou. Mais il faut se rappeler que le Seigneur a toujours ses raisons. Et qu'aussi mystérieuse soit-elle, elle prêche toujours pour le meilleur. Mais pour l'instant, votre bras restera tel qu'il est. Mais c'est la tâche! Absolument. Et pourtant, on travaille sur lui. Il s'améliore quand même un peu, vous trouvez pas? Peut-être, mais ces séances de guérison, c'est le bide total. Son taux de réussite est de l'ordre de 1 sur 10. Et encore, c'est du genre, ça fait moins mal, ça s'améliore, ou je distingue les objets, mais j'y vois un peu, c'est pas terrible. On en convient, monsieur. Je ne peux pas faire passer ça. Non, monsieur. Je ne peux pas. On n'a qu'à le laisser continuer discrètement, et le jour où on en tient une bonne, on l'utilise à fond, on la balance avec tout le reste. Non, 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 pas question. Ce que je veux, moi, c'est du direct, pas du réchauffé. Alors, il faut s'attendre à ce genre de choses. Impossible. Non, je serai la risée de tout le monde. Je préfère annuler l'émission. Alors, l'idée sera reprise par quelqu'un d'autre, monsieur. J'ai demandé un rapport concernant le taux d'écoute potentiel que Sir Ruti pourrait nous ramener. La réponse est phénoménale. Ahurissant. C'est vrai, c'est carrément comme si on avait découvert le vaccin du sida. Oui, un véritable raz-de-marée. Si vous voulez bien regarder la courbe de projection, c'est le super banco, le pactole assuré. Non, je ne suis pas intéressé. Sachez que notre chaîne assoit sa réputation sur la qualité de ses programmes. Je ne vais pas aller sacrifier ça pour quelques gains à plus ou moins court terme, ça, non. Seigneur. Attendez une seconde. Attendez une seconde. L'autre chaîne vient d'avoir une idée patente. Ils veulent que Ruti fasse les guérisons. Quoi? Non, mais ils parlent pas sérieusement. Ah, si, si vous parlez, c'est sérieux. Mais c'est du délire. Je suis pas une sorcière. Ben, dites-leur que c'est de la folie. Lester, on n'a aucune raison de penser que le Christ puisse agir à travers Ruti. Mais nous n'avons aucune raison de penser le contraire. Ça vaut le coup d'essayer, de toute façon. Ça, j'en sais rien. Seconde, Bobby Joe, tu es le premier à affirmer qu'il faut faire de la guérison le point fort de tous nos services. T'as bien dit ça. Mais quant à savoir qui doit les accomplir, ça n'a guère d'importance, tu en conviens. Oui, bien sûr. Bah. Très bien. Je crois qu'il faut que tu essayes. Oui. Non, mais dites-moi, tous les deux, vous êtes complètement dingues. J'ai pas de pouvoir. Bah, ni moi non plus, tu sais. Ni personne à part le Christ. Tu prends tous les grands guérisseurs comme Coleman, Copeland, Roberts, ils ne prétendent pas avoir leur propre pouvoir. La seule chose qu'ils disent, c'est que le Christ les a choisis pour agir à travers eux.
On vous demande simplement d'essayer, Ruti. Si vous n'avez pas de pouvoir, on verra très vite et personne n'en mourra. Mais oui, c'est facile à dire. C'est moi qui serai toute seule à patauger sur scène et avoir l'air d'une andouille. Non, Ruti. Non. Il y a au moins une centaine de trucs à utiliser pour sauver la face. Je l'ai d'ailleurs vu faire par tous les plus grands guérisseurs du monde quand ils sont dans un mauvais jour. Tenez, vous avez un estropié. Vous lui ordonnez marche, marche. Alors il essaie et ça rate. Vous lui dites, c'est pas grave, attendez, les voix du Seigneur sont impénétrables, mon frère, demain matin à 9h, au moment de votre prière, vous me refaites un essai, cette fois je sais que vous marcherez. Béni soit le Seigneur et Alléluia. Bon, disons qu'une personne a la migraine, vous voulez la faire disparaître, elle s'en va pas. Alors vous dites, attendez une minute, est-ce que vous n'auriez pas l'impression que ça va déjà un petit peu mieux? La personne en question ira forcément dans votre sens, elle n'est pas contre vous, elle dira, bien sûr, je me sens un petit peu mieux, et vous faites Alléluia. Vous savez, vous lui balancez des Alléluia. Et là, croyez-moi, vous vous en sortez avec les honneurs. Écoutez, laissez tomber. Je ne suis pas une sorcière, je suis une bête de scène. Oui, seulement vous n'êtes pas prêt de pouvoir vous exprimer aux heures de grande écoute. Et ça, je peux vous l'assurer. C'est bon. Seulement voilà, il y a une condition, une seule. C'est qu'on puisse prendre des acteurs. J'écris tous les dialogues, à la virgule près, je les fais répéter à fond, et c'est moi qui assure une partie de la mise en scène. Ce n'est pas du théâtre, c'est un ministère, Ruth. Est-ce que tu nous suggères n'est absolument... Oui, mais ça tient debout. Moi, je trouve ça très bien. Ça pourrait tout sauver, Bobby. Parfois, j'ai du mal à vous suivre. Utiliser la foi des pauvres gens en la miraculeuse intervention des pouvoirs du Christ, utiliser cette foi pour les décevoir et les gruger au sein même de la maison de Dieu Tout-Puissant, non, Lester. Non. Je suis désolé. Mais cette fois, la réponse est non. Écoutez... Non. Commencez d'écrire les dialogues des acteurs et je m'occupe de lui. Lester, il y a des limites à tout. Il ne faut pas trop le pousser. Ah, ne vous en faites pas, j'ai encore de la marge. Assieds-toi, là, ici. Bon, écoute, voici une vidéo, une des toutes premières émissions de télévision de ton pauvre père. Ô Seigneur bien-aimé, fais que cette femme guérisse. Ouvre-lui les yeux, qu'elle puisse enfin contempler ce charmant bambin qu'elle a élevé mais qu'elle n'a jamais vu. Guéris-la, Seigneur, guéris-la. Oh mon Dieu! Oh, béni soit le Seigneur! Béni soit le Seigneur! Oui, je vois! Oh, celle-ci, elle date d'environ 12 ans plus tard. Guéris-la, ô Seigneur! Chasse tous les démons qui sortent en elle! Et permets-lui, une fois encore, de pouvoir guérir. Prie et sois guéri. Seigneur, oh oui, je vois. Alléluia. C'est la même femme. La même femme, oui. Alors tout ça n'était qu'une farce. Non, ah non, mon fils, ce n'était pas une farce. Mon Dieu, ton père n'était pas un farceur. Même qu'au fil des années, il a guéri des centaines et des centaines de personnes souffrant de tous les maux. Ça allait de l'arthrite au cancer en passant par les excroissances, les maladies mentales en tout genre, sans compter les prostates déficientes. Et j'en passe. Et comme tous les guérisseurs, il avait ses bons et ses mauvais jours. Alors il avait exigé d'avoir toujours quelqu'un sous la main au cas où il serait dans un mauvais jour. Afin qu'il y ait au moins une guérison.
Alors, il engageait des acteurs. Non, cette dame était bien aveugle, tu sais. Il l'avait guérie 10 ans plus tôt et c'était une vraie guérison et pas une fausse. Elle lui en était si reconnaissante qu'elle lui avait promis d'être là chaque fois qu'il avait besoin d'elle et de rejouer la scène de sa guérison, comme tu viens de le voir. Je sais, il n'y a pas de quoi être très fier. Et ton père se sentait terriblement gêné. Il savait que c'était mal. Mais il savait aussi que Dieu pourrait comprendre. Comme il saura d'ailleurs le faire pour ce qui se passera avec Ruth. Ah non, Lester. Avec mon père, il y avait quand même de vraies guérisons. Avec Ruth, tout sera fabriqué. Est-ce vraiment si important, mon pauvre petit? Mais bien sûr que ça l'est. Oh, très bien. Quel est le véritable but de la guérison, Bobby Joe? Je crois que la Bible te répondra encore mieux que moi. La Bible nous dit qu'il s'agit d'un signe destiné à montrer aux hommes à quel point Dieu les aime. Alors, si Ruth peut aider les gens à être convaincus de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire que ces guérisons soient des fausses? Franchement! Lester, tu es bon. Tu es très bon. Je sais. Je suis désolé, mais je ne peux plus laisser entrer personne. C'est comme ça. Ça y est, il a bougé. Mon bras a bougé. Oh, et essaie de me faire monter ça tout doucement, hein. Et ensuite, tu es tellement rempli d'émotions que tu parles un peu plus fort et tu me termines ça par un grand cri, hein. Allez, essaie. Ça y est. J'ai bougé mon bras. Quelque béni soit le Seigneur, peut-être. Oh oui, tout à fait, bien sûr. Béni soit le Seigneur. Plus de ferveur. Béni soit le Seigneur. Bien, très bien, génial. Tu me refais la même chose demain. D'accord, merci. Et n'oubliez pas que vous me faites ça sur la caméra du milieu. Oui, monsieur. Bon, très bien. Maintenant, je dis mon frère, c'est à vous, et l'aveugle doit s'avancer. Oh, non, tu sautilles beaucoup trop. Recommence. Non. Écoute, Monroe. Tu n'as jamais vu d'aveugle, quoi? Il est complètement... On ne tient pas sa quête comme ça. Non, on donne des petits coups par terre pour se frayer un chemin tout en essayant de passer le plus inaperçu possible. T'as compris? Bon, allez, recommence. Désolé. Non, il faut quand même que tu sois un peu plus hésitant. Il s'agit d'un tout autre environnement, voyons. Il n'y arrivera pas, il faut essayer l'autre. Bonne idée. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Dexter, madame. Dexter, tu fais l'aveugle, Monroe. Tu seras beaucoup plus crédible en arthritique, finalement, oui. Bon, alors fais-moi voir comment tu crispes les doigts. Bien, c'est ça, excellent, Vandy. Allez, on fait une pause. Bon, tu crois que ça va marcher? Tout à fait. Vincent? Bien, je pense que ça ira, mais j'aurais préféré des professionnels. Oui, mais avec ces gens-là, c'est plus sûr. On peut vraiment avoir confiance? Je les connais tous personnellement, mais chose plus importante, ils me connaissent. Vincent? Pourquoi on t'a mis en prison? La haute trahison. La haute trahison? La haute trahison est peut-être la seule chose qui ne m'ait pas valu la prison. Y a-t-il parmi nous aujourd'hui un malade ou un infirme qui pense que grâce à Jésus et au pouvoir de son amour infini, il pourra guérir ou au moins être soulagé de ses souffrances? Alors on se dépêche, amenez vos abattis! Vous, madame. Vous, monsieur. Et vous aussi. Non, je suis terriblement désolé, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Sur votre droite, monsieur. Depuis quand avez-vous le bras dans cet état? 8 ans depuis mon attaque. Et quel est votre nom? Bessie. Bessie. Qu'est-ce que vous voyez? Vos mains. C'est ça. Mes mains. These hands of flesh and bone. These hands you see are not mine alone. These hands
Je le sens bouger. J'ai bougé mon bras. J'ai bougé mon bras. Béni soit le Seigneur. Merci. Oh, merci. Génial. Génial. Cette fille risque de nous faire ce que Cosby a fait pour NBC. On sera numéro un, s'il plaît à Dieu. Ah oui, je crois. J'ai dit s'il plaît à Dieu? Oui, monsieur, tout à fait. Est-ce que vous m'aviez déjà entendu dire ça avant? Je ne crois pas, monsieur. Faut me la virer. Mais on ne peut pas faire ça devant tous ces gens. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois essayer de la guérir. Non, mais si. Si, on en est à trois, on a bien le droit de se planter. Bon, allez-y, guérissez. Lester, je vous vaudrai ça, mon petit vieux. Guérissez-la. Comment t'appelles-tu? Jenny. Jenny. Alors, Jenny, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai traversé sans regarder et je me suis fait renverser. Le docteur a dit que je ne remarcherai plus jamais. Jenny, chérie, est-ce que tu vois ses mains? Oui, ma sœur. Dans ses mains, tu sais ce qu'il y a? Oui, ma sœur. C'est l'Esprit Saint qui est en moi. Oui, ma sœur. Gamine qui se lève carrément et qui marche. Béni soit le Seigneur. Ah, Ruthy, vous l'avez guéri, ma chérie. J'ai vu tous les meilleurs, il vous arrive pas à la cheville. Ah, vous avez des pouvoirs. Ah, c'est vrai ça, tu en as. Elle a une minute. Cette môme, c'est pas plus qu'une incroyable coïncidence. Une coïncidence? Montre-lui, Selma, allez, montre-lui, mon Dieu. Regardez, sœur Ruth, mes verrues. Rien que de vous regarder ce matin, ça m'a guéri. Elles sont parties. Et on a reçu plus de 45 témoignages de personnes qui se sont retrouvées guéries, rien qu'en vous regardant à la télé. Asthme, varices, ulcères, sclérose en tout genre, impuissance. Impuissance? Oui, on a même le cas d'un homme qui n'avait pas fait l'amour à sa femme depuis 20 ans. Voilà-t-il pas qu'il allume son poste et bingo! Alléluia! Mais comment... J'y comprends plus rien. Jésus t'a choisi, il est en toi et il veut agir à travers toi. Bob idiot, regarde ça, un daltonien. Allô? Oh, ça vient de Los Angeles, monsieur Lester. Allô? Ah, oui, monsieur Everett, oui, je ne vous le fais pas dire.
C'est formidable, oui, ça vraiment, c'est... Oui, oui. Bien sûr, je vais le leur dire, vous parlez. Très bien, merci, monsieur. Nous sommes très impatients. Oh, la chaîne en fait pipi dans ses pantalons. Alléluia. Oui, ils veulent marquer le coup et donner un tour médiatique à notre arrivée chez eux. Ils nous font carrément venir à Los Angeles dans 2 semaines, ma fille. Et ils organiseront une conférence de presse à tout l'assaut. Alléluia. Ah oui, alléluia, c'est le mot, alléluia. Toutes mes félicitations, petite sœur, c'est gagné. Oh, Seigneur, nous te remercions. Tu veux arrêter, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as? Vous pourriez pas vous calmer une seconde? J'ai besoin d'être seule. Mais Ruth, nous ressentons tous une... Je t'ai dit de fiche le camp! Bien, bien. Elle est enfermée dans cette foutue loge depuis hier matin. Hier soir, je lui apporte à manger, elle refuse de m'ouvrir. Elle m'a même dit d'aller me faire... Oui, enfin, vous savez comment elle s'exprime, hein. Et ce matin, elle ne m'a pas répondu quand j'ai frappé. Je suis vraiment très, très... Je vous remercie, Selma. Ruth! Est-ce que tout va bien? Ruth! Il faut enfoncer la porte. Ruth, s'il te plaît, parle-moi. Vraiment, je ne comprends pas. Juste au moment où je me dis, ça y est, c'est bon, ça marche. Le destin m'envoie ce foutu truc pervers dans la tronche. Et tu voudrais me voir sauter de joie? Écoute, Padre, c'est la première fois que tu commençais à baigner pour moi. J'ai un appart, de la bonne cam, je fais plein de pognon, je fais de la bonne musique, j'ai tout un auditoire suspendu à mes lèvres, je te le triture à ma guise, et il hurle Jésus, Jésus, alors qu'avant c'était plutôt du genre à poil, la chanteuse. Mais si tu as le pouvoir de guérir, alors pourquoi? Mais enfin, ça me terrorise, j'ai pas voulu ça, moi. C'est vrai, c'est quoi? C'est pas du tout mon truc, j'y comprends rien du tout. Ruth... C'est un don de Dieu. Eh bien, merci pour le cadeau. Il peut vraiment se le mettre où je pense. Alors c'est vrai, il rôde dans le coin. Enfin, tu crois qu'il est vraiment là? Oui, bien sûr, Ruth. Pourquoi moi, Bobichou? Parce qu'il t'aime. Bébé, si tu savais ce que j'ai pu faire, ma vie, c'est pire qu'un égout. Il y avait un contemporain de Jésus qui s'appelait Saul.
Et crois-moi, tes péchés ne sont vraiment rien du tout à côté des siens. Il avait passé son temps à persécuter les chrétiens, les pourchasser, les frapper, les torturer, les lapider. Le Christ lui a pardonné pour en faire son messager de par le monde. Et je pense que le Christ est en train de faire exactement la même chose avec toi. Saul a changé son nom, c'est ça? Il a voulu rompre avec tout son passé. Oui. C'est devenu Paul. Saint Paul. Peut-être qu'il faut que je change mon nom aussi. Si tu veux. Comment voudrais-tu t'appeler? Gary Grant. Je ne suis vraiment qu'une moi que rien, Bobby Joe. Ruth, par la grâce du Christ et de son sacrifice, tout ce qu'on a pu faire, Dieu nous le pardonne. Et son amour est toujours là à notre portée. Nous n'avons simplement qu'à tendre la main pour le recevoir. Trop facile et trop dur. Je ne peux pas, c'est tout. Ça me dépasse. Tu veux que je te raccompagne? Non, encore rester ici un moment. D'accord. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Seule la vérité est bonne à dire. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 25. Je tenais simplement à vous dire, au nom de la chaîne tout entière, combien nous étions ravis et flattés de pouvoir accueillir Sir Ruth et le révérend Bobby Joe Stuckey dans notre famille. Oui. Oh, merci, merci. Et nous pensons que ceci est non seulement une bonne chose pour la chaîne, mais pour l'ensemble de la télévision. Et je dirais aussi pour l'Amérique. Je n'ai pas de stylo. Oh, Gary. Révérend. Voilà, ici. Ah, non, 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 gardez-le, révérend. Et maintenant, c'est à vous. Sir Ruth, si vous voulez bien signer. Vous regardez par ici. Sir Ruth, s'il vous plaît. On en refait une. Et maintenant, mesdames et messieurs, vos questions, s'il vous plaît. Sœur Ruth, jusqu'à quand comptez-vous rester à Los Angeles? Jusqu'à jeudi. Et qu'allez-vous faire? Oh, vous savez ce que c'est, quelques guérisons, quelques prières, quelques courses en ville, et pas mal d'interviews à la télévision. Révérend Bobby Joe, allez-vous apparaître vous aussi dans ces émissions? Eh bien, non. En réalité, il m'a semblé... Très... Et il est bien stipulé dans ce contrat qu'on ne doit y admettre aucune frimousse plus mignonne que la mienne. C'est très drôle, ma sœur, c'est très drôle. Monsieur Everett, quand pourra-t-on voir Sœur Ruth sur votre antenne?
Tous les premiers dimanches de chaque mois, on pourra l'avoir à 7h sur la côte ouest, à 9 dans le centre et à 10 sur la côte est. Le spectacle sera donc transmis en direct à travers tout le pays. Un honneur que nous n'accordons qu'à très peu d'émissions. Ah oui, juste les matchs de football, les grands faits d'hiver et nous. Vraiment fantastique. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, il faut que vous soyez une artiste dotée d'un tel tempérament pour attirer une voilée de critiques. Parfois, on insinue que... Enfin, comment pourrais-je vous dire ça? Que votre sens du spectacle parasite plus ou moins le message religieux et que vous... vous faites pratiquement oublier aux gens le sens premier de leur présence à l'église. Très intéressante remarque. À côté de la plaque, mais drôlement intéressante. Écoutez... L'animation, la musique, le spectacle, toutes ces tenues éblouissantes portées par les prêtres, ce décorum dans les églises, ça a toujours fait partie de la religion. Dieu, ça lui plaît si le public éprouve du plaisir quand il se déplace pour le prier. Vous n'avez qu'à lire la Bible. On y marche sur l'eau, on change le pain ou le vin, les buissons brûlent et tout. En matière de spectacle, le bon Dieu est de loin le plus grand animateur de tous les temps. Je suis fière de faire sa première partie. Bien sûr. Mais enfin, vous faites plus que nous divertir. Je parle de toutes ces histoires de guérison particulièrement spectaculaires. Avez-vous l'intention de les poursuivre à une heure de grande écoute? D'abord, je n'assure jamais les guérisons. Ça, c'est son département. Je m'en remets toujours à Jésus et aux heures de grande écoute. Ce sera pareil. Quelle sera sa réponse? Ça, on n'en sait rien. Bon, mais que doit-il penser d'après vous? Du fait que vous allez passer sur l'un de nos plus grands réseaux. Eh bien, à mon avis, c'est qu'il est sûrement un tout petit peu nerveux à cette idée. Il faut bien voir que c'est son émission, c'est sa réputation qui est en jeu. À quoi ça ressemblerait si Jésus ne faisait pas 30% d'écoute? Oh, et puisqu'on parle de taux d'écoute, je pense que le moment est venu de vous présenter notre prochain invité. Un homme qui fait plus de 30% d'audimat depuis des années. Super enchaînement, Judy. Je vous remercie. Il s'agit de l'hôte familier du nouveau magazine de l'information où sa séquence Point de mire fait un malheur. C'est le plus grand journaliste d'enquête de ce pays. J'ai nommé Monsieur Chet Madison. Ouais, wow. Je ne rate jamais une de vos émissions. Merci. Vous savez, ce qui me fascine, c'est quand vous êtes sur le point de démasquer une fraude ou une ruse et qu'alors vous enlevez subtilement et l'un après l'autre tous les voiles de la supercherie jusqu'à ce que la vérité se retrouve étalée toute nue devant vous. Ça me fait frissonner chaque fois. Auriez-vous quelque chose à ajouter à cette discussion passionnante sur spectacle et religion? Non, j'épouserais plutôt la façon de penser de Sir Ruth à ce sujet. Il n'y a aucune raison de ne pas mélanger les deux, mais vous savez, je suis un incroyant notoire. La religion, c'est du rock'n'roll pour moi. Ce qui me chagrine un peu quand même, ce sont ces guérisons qu'on va passer aux heures de grande écoute. Est-il sain d'éveiller tout ce fol espoir dans le public? Mais monsieur, on guérit dans mon église et toutes les semaines. Enfin, il le semble au moins. Et comment ça, il le semble? Vous pensez qu'il y a un truc ou quelque chose? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis jamais venu dans votre église. Comme aucun enquêteur indépendant d'ailleurs. Enfin, à ce que je peux en savoir. Eh ben, c'est pas compliqué. Vous venez nous voir vous-même un de ces dimanches. J'avoue que j'apprécie l'invitation, mais je peux amener mes caméras. Vous amenez même votre vieille grand-mère, si ça vous fait plaisir. Ça marche. Et c'est annoncé en direct dans le Judy Francis Show. Je vous retrouve après une page de publicité. Ruti. Oh, ça va, je suis désolée, j'aurais sûrement dû vous en parler avant, mais il m'a mis en boule, ce mec. De toute façon, il n'y a aucun malaise, les guérisons sont bien réelles.
Il viendra à Waco et il le verra bien. Oui, mais si par la même occasion ce fouineur s'aperçoit qu'avant de chanter les louanges de la chrétienté, vous en étiez reniflé de la cocaïne et à vous faire avorter. Lester, c'est le passé, tout ça. Alors fichez-moi la paix, je me suis acheté une conduite. Je sais, Ruti, je sais que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Mais vous étiez ce que vous étiez. Et si ça remonte en surface, au revoir l'église. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il nous reste à annuler cette invitation. Faire une déclaration. Je sais pas, mais bon, on trouvera bien quelque chose. Lester m'a invité. Everett, au téléphone. Ah, oui, monsieur Everett. Oui, mais c'est Léonore Everett. Hey. Vous avez vu l'émission, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, voilà ce que nous avons fait. Non, vous allez me le faire venir, cet oiseau. Hein? Et alors? C'est génial, le grand public raffole de points de mire. Et c'est sur notre chaîne, en plus. Ce qu'on fera, c'est qu'on passera l'épisode concernant l'enquête sur Ruth. Juste avant son premier spectacle. Oui. C'est fantastique comme avant-première. C'est l'audience garantie. Non, les choses se dérouleront en notre faveur. C'est comme si Dieu avait tout organisé. Peut-être que c'est le cas. Eh bien, bonsoir, monsieur. À 8 en bas et à 1 en haut. Ça va. Et allez. C'est bon. 4, vas-y. 5, 6 et 7 et 8. Oui. Oui, c'est ça. On redescend. J'adore cette position, ouais. Ronnie. Oui. J'aimerais qu'on revoie ça encore une fois. D'accord, c'est parti. Bonjour. Lester Babbitt. Chet Mallison. Enchanté. Ce sont les gens de votre équipe, hey, ça oui. Alors, on va y aller tout de suite, hein. Super. Oh, hey, regarde, la vedette, hein. Et voilà, rendez-vous chez moi pour prendre un verre après l'atterrissage. Allez, vous la posez doucement. Très bien. Ça va, mon grand? Super. Bon, allez, on voit ça encore une fois. D'accord. Allons, on se dépêche. On commence cette fois de haut en bas ou de bas en haut. Et les deux, mon général. Dites pas, sœur Ruth, soyez gentil, je suis désolé de vous interrompre. Mais je pense que vous vous souvenez de M. Madison. Je me suis dit que vous voudriez le saluer. Ça me fait plaisir de vous revoir, sœur Ruth. Je dirais la même chose, M. Madison. Alors, appelez-moi Chet. Alors, appelez-moi Ruth. Je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un peu de la façon de gérer toute cette histoire. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien de spécial. Mon équipe va faire un petit tour d'horizon, prendre quelques séquences et nous ferons notre interview. Mardi, voyons ça. Mais bien sûr, j'aimerais qu'on se voit avant, histoire de bavarder. Je viendrai sans ma caméra, il s'agira de faire connaissance, de vous familiariser un petit peu avec les sujets que j'aborderai au cours de l'interview. Bon, alors écoutez... Je suis très intrigué. Après la répétition d'aujourd'hui, vous devez vous rendre dans un orphelinat, demain vous faites une conférence au centre de réinsertion des drogués, mais alors après ça, on aura du temps et on pourra se voir tous les trois et discuter de ces choses. Eh bien, je préfère avoir une discussion privée avec sœur Ruth, si c'est possible. Ah ben oui, mais... Oui, pas de problème. Vous pouvez même venir chez moi demain soir pour dîner. Vers les 8h. Très bien. Non, attendez, c'est que non. Alors, à demain. Au revoir. C'est ça, au revoir. Ruth, il faut que je vienne aussi. Et pourquoi? S'il commence à renifler des choses qu'on n'a pas envie qu'il renifle, je serai là. Lester, croyez-vous que je m'amuserais à lui dire quoi que ce soit qui fasse du tort à cette église? Alors faites-moi confiance. Oh, bien sûr, Ruthy. Bien sûr. Vincent! Une minute. Bonsoir. Entrez. Merci. Posez ça là. Attendu. C'est un bel endroit. Oh, rien de bien luxueux, mais je m'y sens très bien. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Et vous prenez quoi? Un jus de raisin. Alors un whisky. Avec glace? Sec. Pas d'alcool? En ce moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de substances sur cette planète que mon pauvre corps n'ait pas ingurgité par un orifice ou par un autre. Je trouve qu'un bon jus de raisin avec un zeste de Christ, c'est meilleur que tout. Ça se défend. Santé. «
Vous venez d'une famille religieuse. Pourquoi êtes-vous là? Je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas là du tout pour me mettre au parfum des questions que vous balancerez pendant notre entretien. Je le connais, votre truc. Votre seul but, c'est de surprendre les gens en plein direct avec ce que vous avez découvert et de les regarder s'enliser. Alors, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, c'est peut-être parce que je trouve que vous êtes une femme admirable. Ça veut dire quoi, ça, admirable? Que vous voulez me faire l'amour? C'est pour ça que vous êtes là, pour sauter, sœur Ruth? Non, écoutez... Enfin, après tout, ce serait pas grave, vous seriez plutôt mon type. Beau, élégant, fin, raffiné et tout. À une époque, c'est même moi qui aurais pris les devants. Mais là, vous voyez, ça colle pas tellement avec le jus de raisin. Disons que ce n'était pas une bonne idée. Mais je vais vous dire une chose. Ça va bientôt faire 15 ans que je suis marié à une femme merveilleuse. J'en suis toujours amoureux. Et quand le désir sexuel me prend, elle me donne vraiment tout ce que je désire, sinon plus. Oh, je suis désolée, ça va? J'avais cru que, lorsque vous m'avez parlé de femme admirable... Eh bien, je pense que Mère Teresa est aussi une femme admirable et je me vois pourtant mal la sauter. Vous voulez dîner? Oui. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, et spécialement ces tortellini, que j'aurai toujours autant de plaisir à manger tant que je serai sur la terre. Amen. Vous croyez vraiment que quelqu'un vous écoute? Tout à fait. Je pose les mains sur des tas de malades et ça leur fait du bien. Bien sûr, vous ne croyez à rien. Oh, si. Je peux croire que vous y croyez. Seulement, si je suis Dieu... et que je veuille que le monde entier sache que j'existe. Je n'en fais pas un jeu de piste. Je ne me contente pas de faire quelques apparitions tous les 100 ans. Il y a un miracle par-ci, par-là. Je me manifeste tout de suite. Je me paie du temps d'antenne sur NBC, un jeudi soir. Je fais des présentations moi-même. Bonsoir, voilà, je suis Dieu. C'est grâce à moi si vous êtes tous ici ce soir. Je comprends qu'il y ait pas mal de discussions sur le fait de savoir si j'existe ou pas. Alors j'ai voulu vous rassurer et vous dire que oui. Mais voilà, je repars au boulot, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. J'espère que vous aimerez la suite du programme. Vous croyez vraiment que n'importe qui avale n'importe quoi parce que c'est à la télé? Ah oui. Vous aviez raison, hein, pour les tortellini. De la sauce? Bien sûr. Encore un petit pain? Non, merci. Et vous? Je dois vous dire que j'ai passé une soirée très agréable, Ruth. Moi aussi. Je ne vous ai toujours pas donné ma réponse sur le pourquoi de ma venue ici ce soir. Eh bien, après avoir établi qu'il ne s'agissait pas d'amour, je me suis, disons, désintéressée du sujet. J'ai bien fait mon travail, je vous ai observé. Et je ne vous cacherai pas que je vous trouve impressionnante comme personnage. Et je pense qu'une des raisons de ma visite était de flairer ce quelque chose qui aurait pu vous rendre, à mes yeux, moins impressionnante. Et je n'ai rien trouvé. C'est que vous n'êtes pas mal non plus. Ruth, j'espère que vous avez conscience que lors de cette interview sur les guérisons, tous les coups seront permis. Absolument. Je pense que quoi que nous fassions tous les deux, tous les coups doivent être permis. Bonne nuit, Ruth. Bonne nuit. Ruth? Oui? Êtes-vous appuyée contre la porte en souriant? Oui. On va sûrement voir les mêmes films. Ruth, pourquoi pensez-vous que, plus qu'une autre, c'est vous que Dieu a choisi pour guérir les malades? Peut-être pour me jouer un sale tour.
Ou peut-être m'a-t-il tout simplement trouvé dans le bottin céleste. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a choisi pour le servir. Et que je le ferai tant qu'il aura besoin de moi. Nous avons retrouvé certaines personnes que vous avez guéries. Je les ai interrogées ainsi que leur médecin. Nous commencerons par Eulalie Dexter, une femme de 76 ans. Il y a quelques mois, Sœur Ruth a concentré son énergie de guérisseuse sur Madame Dexter et son arthrite. J'ai demandé à cette dame si elle était persuadée que vous l'aviez guérie. La cassette, s'il vous plaît. Madame Dexter, croyez-vous vraiment que c'est Sœur Ruth qui vous a guéri de votre arthrite? Absolument, et que le Seigneur la bénisse d'ailleurs. Mais 3 semaines plus tard, vous êtes allée dans une autre église, demander à un pasteur évangéliste, le révérend Peter Dalit, de vous guérir du même mal. Oui, c'est exact. C'était une nouvelle arthrite. J'ai été trouver le révérend Daly et il m'a guéri de cette dernière. J'ai interrogé le docteur Tyrone Seacombe, médecin traitant de Madame Dexter. Je lui ai demandé si vous aviez bien guéri l'arthrite de sa patiente. Guéri? Non. Voici des radios faites avant et après la séance de guérison. La dégradation articulaire est totalement inchangée. Mais Madame Dexter s'est sentie mieux. Oh oui. Temporairement. Cette patiente vient me voir déjà depuis 15 ans. Et chaque fois que son arthrite se réveille, elle va trouver guérisseur, hypnotiseur, et elle essaye les potions magiques qu'elle voit dans les publicités. Ça la soulage bien, car bien sûr, comme elle y croit, ça la sauve. Avec l'arthrite, c'est comme ça. Je lui ai fait prendre des placebos, disant que c'était un nouveau traitement. Ça lui a également guéri son arthrite. Et voici une autre de vos guérisons. J'avais comme une lamentable constipation. Ça durait depuis des semaines. C'est alors que Sœur Ruth a prié pour moi. Et alléluia, j'ai bien failli boucher les toilettes de la maison. On appelle ça un diverticule du côlon. Des petites poches se forment dans les intestins. Et il arrive souvent qu'un choc émotionnel ou qu'une peur soudaine provoque une délivrance. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que c'est Sœur Ruth qui l'a littéralement effrayée. Exactement. Ruth, nous avons un autre invité sur ce plateau. Nous avons demandé au professeur Leroy Harris de la faculté de médecine de Houston de se joindre à nous. Professeur, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Professeur, Sœur Ruth, professeur Harris. Professeur, dans votre livre, vous dites avoir examiné des centaines de cas de supposées guérisons et que vous n'en avez trouvé aucune pour laquelle vous n'aviez pas une explication médicale. C'est tout à fait exact. La science médicale a toujours reconnu qu'il y avait un aspect psychique et mental dans une grande partie des maux dont nous souffrons. On a fait une expérience assez récente avec une feuille vénéneuse qui provoque de l'urticaire. On a persuadé quelques personnes qu'elles venaient de se frotter les mains avec la feuille en question, alors qu'en fait, il s'agissait tout bonnement d'une feuille d'érable bien inoffensive. Malgré tout, ils furent pratiquement tous victimes d'une éruption. Celles à qui on a dit qu'elles avaient été frottées par des feuilles d'érable, alors qu'il s'agissait bien des feuilles on ne peut plus vénéneuses, n'eurent pas à souffrir du moindre petit bouton. Quand quelqu'un est vraiment persuadé que quelque chose va soit le rendre malade, soit lui faire du bien, c'est ce qui finit par arriver. Donc, il n'y a rien de miraculeux en ce qui concerne les performances de Sœur Ruth. On doit absolument exclure le mot miracle et parler de pouvoir de l'esprit. Quelques commentaires? Je dois dire qu'il s'agit d'un exemple des plus impressionnants d'une belle enquête de télévision. Et c'est tout. Je suis d'accord avec tout ce que vos experts médicaux, professeurs ou autres, ont pu si brillamment démontrer. Ils disent tous en gros que ce n'est pas moi qui guéris les maux de ces braves gens. Qu'ils sont plutôt sauvés par le pouvoir qu'ils détiennent en eux. Eh bien, je dis exactement la même chose. Je n'ai jamais, au grand jamais, affirmé que je possédais une main de fée ou d'étranges pouvoirs. Le pouvoir de guérison n'appartient qu'à une seule personne, le Christ. Et comme chacun sait, le Christ est en chacun de nous. Tout ce que je peux faire quand quelqu'un souffre, c'est de l'amener à prendre conscience de ce pouvoir qu'il a en lui. Maintenant, si tous vos médecins ont envie d'appeler ça pouvoir de l'esprit ou autre, moi, je veux bien. Si ça leur paraît plus scientifique, ça les regarde. Mais pour tous les gens qui sont passés par ce genre de guérison, ça ne fait aucun doute. Ils savent qu'il s'agit du pouvoir du Christ.
Il y a quand même une chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord. C'est quand le professeur va prétendre qu'on ne peut pas parler de miracle dans ces cas-là. Vous vous faites une petite coupure à un doigt et une semaine après, cette coupure est totalement guérie. Il n'y a plus de traces. Pour moi, c'est un miracle. Et quand une jambe cassée est guérie d'un seul coup, vous ne trouvez pas ça miraculeux? Oh, bien sûr, ils réduisent la fracture, ils mettent un plâtre, ils créent toutes les conditions qui font que la guérison puisse se faire. Mais ce n'est pas eux qui la guérissent. Ils ne sont pas à l'intérieur de votre jambe avec une petite aiguille à tricoter. Il s'agit d'un million de petites cellules qui circulent, qui font exactement la chose qu'il y a à faire au bon moment. C'est ça la guérison. Et ne venez pas me dire que ce n'est pas un miracle. Et quand une pauvre dame vient vers moi avec ses doigts tout crochus, tout tordus, tout déformés par l'arthrite, que l'on prie ensemble et que la souffrance disparaît, même si ce n'est que pour 2 jours, 3 jours, 1 heure, 2 heures ou 10 secondes, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas un miracle, parce que moi je sais que c'en est un. C'est un miracle de l'amour de Dieu. Et pour avoir bien voulu me permettre d'un peu y participer, je remercie le Christ. Eh bien, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter, si ce n'est couper. Oh, Ruti! Oh, Ruti, tu as été formidable! Tu as été merveilleuse! Tu m'as ému, je te tutoie! Oui? C'est moi, Ruti. La porte est ouverte. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais que vous sachiez que lorsque je suis venu dîner ici la semaine dernière, je ne savais rien à propos de la preuve médicale. Et quand j'ai découvert ça, il était trop tard, je n'ai pas pu vous prévenir. C'était en fait une question... d'éthique journalistique. Je comprends très bien. N'en soyez pas blessé. Quand cette émission passera à l'antenne, vous aurez comme une auréole de sainteté. Vous avez été fantastique. Ça ne va pas? Il y a encore 2 heures. J'avais un papa céleste et j'étais sa fille préférée. Là, je ne suis plus qu'une foutue orpheline, c'est tout. Non, là, je ne vous suis pas. Mais vous avez bien vu. Je suis un placebo. N'importe quel petit hypnotiseur peut faire ce que je fais. Il n'y a besoin ni de Dieu, ni du Christ. Mais votre réponse... Du vent! Je ne suis pas du genre à m'aplatir devant 50 millions de personnes, quand même. Je suis une battante. Je fonce. Je ne sais d'ailleurs même plus très bien pourquoi je continue à me battre. Seriez-vous en train de me dire que votre foi a été ébranlée? Pas ébranlée. Carrément passée à la moulinette. Quelle ironie du sort. Rien qu'à vous regarder en ce moment. Je commence à penser pour la première fois qu'en fin de compte, il y a peut-être un Dieu. Avouez donc vos péchés les uns aux autres. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Chet ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ? Tu sais très bien qu'on a du pain sur la planche. Où est-ce que tu es, bon sang ? Eh bien, je pensais rester ici encore quelques jours, mon cher. Je persiste à croire qu'il y a un nouvel angle que je vais devoir essayer. On peut savoir ce que c'est ? Eh bien, j'ai songé à interroger le révérend Bobby Joe devant les caméras. On devrait trouver quelque chose. Enfin, Chet, j'ai besoin de toi. Chet. Et c'est bon, j'arrive. Écoute, Warren, il faut que je te laisse, hein. À très bientôt. Attendez. Oh. Bobby Joe, ça va?
Est-ce que je peux te voir un moment? Oui, bien sûr. Entre. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de me dire? Tu me manques terriblement. On se voit tous les Mais jours. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Très bien. Très bien. J'ai cru que le fait que tu avais trouvé Dieu allait nous rapprocher. Ça, tu sais, Bobby Joe, Dieu et moi, eh bien, je suis à nouveau orpheline. Mais tu étais si convaincue. C'est normal, toutes ces guérisons m'ont fait croire que j'étais spéciale. Non, en fait, je ne le suis pas. Tu es spéciale, pour moi. C'est pas la même chose. Écoute, il n'y a rien de changé. Je continue à faire le boulot comme avant, mais pour moi, pas pour eux. Comment ils s'appellent déjà? Je vois. Je suis désolée. Ruth, maintenant que ta relation avec notre Seigneur est à peu près revenue ce qu'elle était, est-ce que ça veut dire que toi et moi... T'as peur que si on s'arrête de prier tous les deux, ça va être pareil au niveau du dodo? C'est ça, hein? Oh, Ruth, si tu savais comme tu me manques, est-ce que tes sentiments pour moi ont changé? Non. Écoute, il y a des tas de choses dont il faut qu'on parle. Ma tête est tellement prête à exploser que je préfère tout mettre entre parenthèses jusqu'au premier spectacle. Service. Oui, si tu veux. D'accord. Demain. C'est ça. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Génial. On démarre sur le 4. C'est bon pour moi. On tourne. Révérend, vous possédez une somptueuse limousine, c'est bien ça? Notre église en possède une et elle m'en laisse l'usage. La même chose pour l'avion. J'utilise un avion que l'église met à ma disposition, oui. Et ses locaux des plus impressionnants, qu'en est-il? Dieu n'a jamais imposé le vœu de pauvreté à ses ministres, monsieur Madison. Psaume 34, verset 10. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Eh bien, on peut s'apercevoir que vous avez retenu l'enseignement. Et quel genre de voiture avez-vous, monsieur Madison? Une Mercedes. En avion, vous allez en première classe? Oui, en première classe. Combien vaut votre maison? Je ne saurais pas vous le dire. Bon, mettons 500 000. Probablement. Eh bien, il me semble que les gens qui courent après les points Audimat sont également très à l'aise. Touché. Vous n'allez quand même pas vous en tirer comme ça, monsieur Madison. Non. Eh bien, j'ai cru déceler une bonne dose d'hypocrisie dans vos questions. Vous avez enquêté à fond sur l'esprit financier de notre action. Et vous n'avez pas retrouvé l'odeur de toutes ces malversations ou corruptions qui font pourtant toutes les semaines la joie des téléspectateurs. Alors vous en appelez bassement à leur envie et à leur jalousie. Je suppose que vous avez mal compris mes questions. Disons simplement que je suis persuadé qu'il existe une différence entre les gens comme vous et un champion sportif, un architecte, un homme de télévision. Enfin, quelqu'un qui fournit un service et qui se contente de vendre ce service au prix où le marché veut bien le payer. Vous pensez que l'Église ne propose aucun service? Les orphelinats? Les refuges pour sans-abri? Les missions humanitaires de par le monde? La question est de savoir si ces services ne pourraient pas s'effectuer plus facilement, efficacement et moins cher par le biais d'organisations non religieuses. Vous avez raison, monsieur Madison. La question est bien là. Bien sûr, on connaît votre réponse. La réponse libérale. Cette éternelle réponse humaniste. Oui, l'Église est superflue. Oh, certes, elle peut remplir une fonction charitable bien utile, mais ce que fait le gouvernement est nettement mieux.
Vous avez tort, Monsieur Madison. Allez à votre bureau d'assistance sociale. Regardez ce visage de la brave dame qui interroge les demandeurs de formulaires. Froid, soupçonneux, impersonnel. C'est ça, la charité gouvernementale? Regardez ces quartiers pauvres. Malgré les dollars prévus à cet effet, on y voit toujours plus de criminels, de drogués et de miséreux. Seule la charité pratiquée pour l'amour du Christ peut rendre l'espoir aux désespérés. On ne fait pas que procurer nourriture, vêtements et abris aux indigents. On leur donne de l'amour, on les regarde dans les yeux et on leur montre qu'ils sont nos égaux, que nous les estimons comme les enfants de Dieu qu'ils sont. Votre charité rabaisse la dignité, la nôtre l'inspire, la vôtre dégrade, la nôtre purifie. Vous donnez parce que vous avez mauvaise conscience, nous donnons parce que nous aimons. Nous aimons, en tant que serviteurs du Christ, nous savons ce que c'est qu'aimer. Peut-être même un peu trop. Quoi? Que voulez-vous insinuer? Je faisais référence à de récentes impostures ayant éclaboussé certains de vos collègues évangélistes. Ah. Eh bien? Et vous condamnez de tels agissements, n'est-ce pas? Révérend? Naturellement. Il n'y a plus qu'à couper. Bobby Joe, veux-tu arrêter? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, mon garçon? Je veux m'en aller. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un idiot, ce n'est qu'une farce. Je ne peux pas rester ici. La première émission a lieu la semaine prochaine, on va devoir l'annuler. Je suis désolé, mais c'est plus fort que moi, Lester. Tu as pensé à ton église? Écoutez, cette église n'a pas besoin de moi. Non. Ruth non plus n'a pas besoin de moi. Bobby Joe, écoute-moi bien. Chet et moi, c'est difficile à expliquer. Toute ma vie, j'ai eu besoin comme d'une sorte de béquille, que ce soit la drogue, le sexe, la musique, Dieu. Chet, lui, il n'a besoin de rien. Il est équilibré, c'est tout. J'ai passé un moment avec lui dans l'espoir qu'il me communique sa force. Mais c'était entre amis. Ça, tu peux me faire confiance. Mais vous n'êtes pas amant? Il a une femme et des enfants qu'il adore. Et toi et moi? J'éprouve les mêmes sentiments pour toi qu'au tout début. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Épouse-moi. D'accord. On est de l'émission Point de Mire. Chet Madison nous attend déjà. Oui, monsieur, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller tout droit. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, vous avez raison. Alléluia. Allez, on y va, les enfants. Oui, c'est Charlie à l'appareil. Je peux parler au frère Lester, s'il vous plaît? Salut, Chet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Bess vient de nous débusquer un lièvre. Salut, Chet. Salut. Ça peut nous servir de monnaie d'échange pour aller fouiller un peu plus loin. C'est bien, non? Génial. Frère Lester, Chet Madison et son équipe sont là. Ah. Bon, faites-les entrer. Ah, je suis ravi de vous accueillir, Chester. Monsieur Lester, voici Warren Clifford, producteur de mon émission. Enchanté, bien. Et Bess Walker, une collaboratrice. Oui, ben, je suis ravi. Mais asseyez-vous, là. Bon. Ah. Quel bon vent vous amène? Eh bien, figurez-vous qu'un lapin est sorti du chapeau et on aimerait en discuter avec vous. Eh bien, mes amis, tout ce que le vieux petit diacre sera en mesure de faire pour vous aider, il le fera.
Dans les mois précédant la mort du révérend Dan, votre église a annoncé qu'elle organisait une campagne de donations pour une mission humanitaire à Jakarta, en Indonésie. Lors de sa dernière émission, le révérend a même déclaré que l'objectif de 2 millions de dollars serait largement atteint et que les travaux allaient commencer. Mais depuis lors, il n'y a plus jamais été question de cette mission dans vos interventions télévisées et on ne parle plus des travaux. Eh bien, ça a été remis à plus tard. La mort du révérend a ajourné le projet, mais rassurez-vous, momentanément. Oui, mais il semble qu'à peu près à l'époque dont on parle, un membre de votre église, monsieur... Vincent Blum. Il semble qu'il soit allé incognito à Genève, en Suisse, afin de déposer une somme de 2 millions de dollars sur un compte bancaire ouvert à votre nom. Attendez, je crois bien que monsieur Blum a effectivement été en Suisse à ce moment-là, mais il est allé skier, vacances de neige. Seulement avec votre histoire de banque, j'avoue que vous m'étonnez beaucoup. En fait, je croyais d'ailleurs que mes amis suisses n'étaient pas habilités à fournir ce genre d'informations à n'importe qui. Oui, vous avez raison. Mais quelqu'un qui a passé 20 années de son existence en prison, si. Vincent? Ça, je peux pas le croire. Vous permettez? Alors, Vincent, ce sera quoi, cette fois? Fraude ou vol qualifié? La justice aura le choix. Si vous n'étiez qu'un innocent messager, il vous serait facile de prouver votre bonne foi. On vous croirait sur parole. Oh, Seigneur. Je sais tout ce que je dois au frère Lester, et ça me ferait vraiment horreur de le trahir. Seulement, je sais aussi ce que c'est qu'un séjour en prison. Oh, dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. J'ai besoin de tes conseils. Heidegger Maritime Bank, le compte numéro 200-1983. Dieu l'a voulu, Lester. Tu as raison, Vincent. Sachez, mes amis, qu'à ce moment-là, j'ai cru sincèrement que notre église allait péricliter. Et que dans ce cas-là, il était évident que cette mission ne verrait jamais le jour. Je suis sûr que le jury fera preuve d'une grande compréhension. Bien sûr, car enfin, il faut savoir que j'ai servi cette église pendant 40 ans. Et que tout au long de cette période, des millions de dollars sont passés dans mes mains, sans que le moindre penny soit resté collé à mon petit doigt. Et là, j'ai pensé que j'avais le droit de m'octroyer une sécurité pour mes vieux jours. Croyez pas? Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, vous n'êtes qu'un vieux petit diacre. L'extorsion de biens d'église, pas vraiment formidable, comparé à ce qui se passe de nos jours dans le monde. Enfin, c'est la meilleure histoire qu'on ait sur l'église. Et on ne manquera pas de l'utiliser si on n'a rien de plus croustillant à se mettre sous la dent. La question, c'est qu'on pourrait peut-être avoir 100 fois mieux. Esther, on ne peut pas trouver mieux? Un petit effort, Lester. Seigneur, j'ai besoin de votre aide et tout de suite. Voilà. Alléluia, mon frère, ma sœur. Bien, maintenant, première chose à faire, retournez voir l'adorable Vincent, histoire d'en savoir un peu plus sur cet avortement. J'arrange ça pour demain matin, à la première heure. Voilà, et ensuite, on convoquera Sœur Ruth devant les caméras pour la confronter à cette réalité. Attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans tout ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tout ça me semble un peu hypocrite, c'est vrai. Vous êtes tous les deux à fond pour l'avortement. Et moi aussi, évidemment. Alors, on est tous d'accord. Et sous prétexte que cette femme y a recours, on veut la détruire sans vergogne. Non, attends, tu confonds tout, là. Il ne s'agit pas du tout du droit à l'avortement dans ce cas précis. Non, il s'agit du droit de se présenter devant des millions de personnes et de les menacer de la malédiction éternelle s'ils viennent à faire quelque chose que vous ne vous gênez pas d'aller faire vous-même.
C'est quand même une foutue bonne histoire, non? Ça tient debout, c'est légitime. Et tu le sais très bien. Oui. Mais j'ai un droit de regard sur le rédactionnel de cette séquence. C'est moi qui suis impliqué jusqu'au cou. J'ai donc tout à fait le droit de décider du bien fondé de la légitimité de l'histoire. Je veux un temps de réflexion. Bien, je t'appellerai demain matin. Et tu devrais demander à Dieu ce qu'il faut faire, Chet. Bah quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Ils savent tout. On a découvert le poteau rose pour l'avortement. C'était match. Même que c'est moi qui décide si on utilise cette information ou pas. C'est pour ça que t'es venu me faire tout ça, pour chercher l'inspiration? Pas besoin d'inspiration, ma décision est prise. J'ai peut-être essayé d'en changer, mais je ne peux pas. Je suis désolé, Ruth. C'est pas parce que tu batifoles passionnément avec la femme que tu aimes que ça doit faire pencher la balance et te mettre en conflit avec l'éthique de ta profession. Tu n'arriveras pas à m'en vouloir autant que je m'en veux. Laisse-moi au moins essayer, tu veux bien? C'est comme ça, Ruth. Je sais. D'ailleurs, ça doit être ça qui m'excite. On m'a dit que tu avais annulé la répétition. Est-ce que tu vas bien? Entrez. Cette fois, elles ont découvert que je m'étais fait avorter. Oh, mon Dieu. Ils veulent que je me tape une interview et m'allumer. Mais comment s'y sont-ils pris pour découvrir ça? Bon, eh ben, le mieux que j'ai à faire pour moi, c'est de disparaître. Ensuite, quand les gens entendront parler d'avortement, tu diras que l'Église ignorait tout et que tu m'as viré aussitôt que tu l'as su. Mais non, Ruth, cette Église n'est rien du tout sans toi. Mais tu peux trouver une nouvelle chanteuse. Moi, je ne suis rien sans toi. C'est fini, padre, faut le savoir. Tout est terminé. Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre Lester? Non, cette Église est une organisation de Dieu. C'est un instrument au pouvoir immense. En tant que nouveau chef spirituel et digne fils de ton père, te voilà dans l'obligation d'user de ce pouvoir pour la gloire de Dieu. En user? Mais comment? Ah, ben, je te montrerai. Ben, Ruthy, tu retournes à la salle, tu reprends les répétitions. Maman, enfin, qu'est-ce que tu crois que... Fais-moi confiance, tu as confiance. Ah, ça, non. Futé, mais va quand même continuer à répéter. Bobby Joe, mon petit, il nous faut agir pour la gloire de Dieu. Le révérend Stocké à l'appareil. Révérend? Quelle joie de vous entendre. Merci, sénateur. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu me prendre. Je sais combien vous êtes occupé par les affaires du pays. Il y a toujours du temps pour les affaires de Dieu, révérend. Comme vous le savez, la congrégation des Compagnons du Christ, qui était dirigée par mon défunt père... Que son âme repose en paix. ...vous a soutenu avec force lors de votre dernière campagne. Et a même encouragé ses brebis les plus fortunées à contribuer généreusement aux frais qu'implique une telle action. Et je dois dire qu'elles vous ont suivi. Je tenais aussi à vous faire savoir que notre Église a beaucoup apprécié votre position sur les événements qui ont affecté la conscience chrétienne tous ces derniers temps au Nicaragua, et que j'espérais vous faire profiter à mon tour d'un soutien aussi efficace que celui de mon père lors des prochaines échéances électorales. Voilà qui me va droit au cœur, révérend. Bien sûr, je prie pour que le statut financier de notre Église le permette encore. Oh. Y avait-il une raison de croire le contraire? Eh bien... il y a cette fameuse émission de télévision qui s'acharne à enquêter sur notre Église, vous savez, Point de mire. Je vous jure que ces gens arriveraient à faire prendre le Christ pour un voleur de chevaux. Et vu le pouvoir des médias par les temps qui courent, enfin, s'ils choisissent de présenter notre Église sous un jour un peu défavorable, ça peut fort bien jeter un certain froid
sur les contributions et, disons, du même coup, mettre en danger la délicate balance fiscale sur laquelle repose la congrégation. Il est de notre devoir d'éviter qu'une telle chose se produise. Évidemment, il n'est pas du tout dans mes intentions de vous demander d'user de votre influence. Non, je voulais simplement vous en toucher un mot et vous assurer de notre gratitude et de notre soutien. Je suis ravi que vous l'ayez fait, révérend. À bientôt. Oui. Monsieur Sormond, j'ai le sénateur Monteils en ligne. Allô, sénateur, qu'y a-t-il pour votre service? J'ai de bonnes nouvelles, Denton. Je tenais à vous dire qu'on avait les voies nécessaires pour que l'histoire des factures ne sorte pas du cadre de la commission. Eh bien, je suis tout à fait ravi de l'entendre, sénateur. Ces problèmes de tarifs pouvaient être désastreux non seulement pour l'industrie informatique, mais pour toute l'économie nationale. Je suis sûr que le conseil d'administration de Vectrocom Communication sera vous récompensé de tous vos efforts. Le sénateur Marley était assez hésitant, sachant que c'est un fervent admirateur de Sir Ruti. J'ai pris le soin de lui faire remarquer que ATN était l'une de nos filiales et que ces histoires de factures pourraient vous gêner. Ça l'a fait réfléchir. Eh bien, de toute évidence, ça a marché. J'ai cru comprendre qu'une autre émission d'ATN, Point de Mire, était en train de préparer un sujet concernant Sir Ruti. J'ose espérer qu'ils n'auront rien faire qui puisse offenser le sénateur Marley dans ses convictions chrétiennes. En effet, je l'espère aussi. Eh bien, j'espère que tout ira bien. Ça m'a fait plaisir de vous entendre, Denton. Moi aussi, vous savez, sénateur. Monsieur Sormond voudrait vous parler. Bonjour, monsieur Sormond. Qu'y a-t-il pour votre service? Voyez-vous, Léonard, au dernier conseil d'administration, tout le monde a salué votre performance en tant que président de ATN et a bien voulu reconnaître que vous aviez donné un nouvel élan à cette chaîne. Cependant, je suis au regret de vous demander votre démission. Ma démission? C'est exact. Ceci afin de nous permettre de vous placer à la direction de Vectrocom Communication en tant que président directeur général. Félicitations, Léonard. Je ne sais vraiment pas quoi dire, si ce n'est merci, monsieur. Bon, mais avant de quitter ce poste, il est une dernière chose que j'aimerais que vous fassiez. Et je vous écoute, monsieur. Monsieur Wilkinson, j'ai monsieur Everett en ligne. Wilkinson, j'écoute. Eh bien, toutes mes félicitations, Léonard. C'est génial pour vous. Je vous remercie, Rupert. Je dois vous dire que j'ai tout fait pour que vous héritiez de ma place en tant que président de ATN. Eh bien, que dire? Qu'est-ce que je peux dire à ça? Sous votre direction, le secteur de l'information a été la fierté de la chaîne tout entière. Je suis vraiment très confus, Léonard. Mais avant de quitter le département, il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Monsieur Wilkinson vous demande, monsieur Hendrick. Rupert. Eh bien, c'est génial, Rupert. Oh, je ne vois pas qui d'autre on aurait pu choisir pour ce poste. Hey, merci mille fois. Et il y a une chose à laquelle j'aimerais que vous pensiez. Je suis sûr que je pourrais arranger ça, Rupert. Non, ne vous en faites pas, ça devrait se régler, oui. Hôtel Atlantis, je vous écoute. Je voudrais parler à Chet Madison, chambre 115. Allô? Chet? Warren. J'ai de grandes nouvelles pour toi. Ouais, je viens d'être bombardé directeur de l'information. Directeur de l'information? Oui. Toutes mes félicitations, Warren. Je sais que tu feras du bon travail. Merci. J'ai tenu à te mettre au courant de ma première action dans mes nouvelles fonctions, d'autant plus que tu es concerné. C'est un marché global. 1. C'est toi qui prendras la relève pour le journal de 20 heures. 2. Je t'ai réservé un créneau encore plus large pour ce qui est des enquêtes. On définira la nouvelle formule ensemble. J'ai déjà chargé mes services comptables d'entamer les négociations avec ton agent, et si ce rigolo n'arrivait pas à un salaire annuel, alors... Jusqu'à 7 chiffres, je le virerais si j'étais toi. Alors? Je suis sidéré. C'est le rêve de tout journaliste.
Mais pourquoi? Eh, parce que tu es le meilleur, c'est tout. Faut bien se l'avouer. Eh bien, je ne serai pas ingrat, Warren. Oui, je le sais bien, là. J'y pense, cette histoire d'avortement, là, je sais que ça dépend de toi, bien sûr, mais j'aimerais que tu l'annules. Remplace ça par les arnaques dans les agences de voyage. Là, je ne comprends plus. Eh bien, tu sais, aller raconter ce genre d'histoire sur quelqu'un qui se voit confier une émission sur sa propre chaîne, ça fait désordre. Ça peut porter atteinte à la cohésion de la chaîne. Enfin, Tite. Oui, je sais. C'est un gros machin. En tant que producteur de Point de Mire, j'en étais très fier. Mais en tant que directeur de l'information, j'ai d'autres priorités. Bon, et si tu veux mon avis, aller fouiller dans les poubelles d'une personne sur laquelle on compte beaucoup, ce n'est pas très bon pour l'image de la chaîne. Je vois. Alors, je te serais très reconnaissant si tu avais le bon goût de ne pas insister. Tu arrêtes. Qu'est-ce que tu en dis? Warren, j'aimerais que tu fasses un truc pour moi. Ça va te paraître un peu idiot, mais ça me ferait plaisir, d'accord? Je t'écoute. Tu te lèves? Tu es debout? Je suis debout. Bien. Je veux que tu fasses comme s'il y avait un bouton sur le plafond à environ 20 cm derrière toi. Très bien. Maintenant, tu vas tendre ta main droite comme pour presser le bouton. Pour ça, tu utilises le doigt du milieu. Tu y es, là, maintenant? Je sais, hein. Alors, tu gardes ta main exactement comme elle est et tu la descends rapidement à hauteur de ton visage. Voilà ma réponse, mon vieux. J'ai essayé, repère. C'est inutile. Mais j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Eh bien, je suis vraiment désolé, monsieur Sermonde, mais je... Je suis désolé, il n'y a rien à faire, sénateur. Je suis désolé, révérend. Il n'y a absolument rien à faire. C'est non. Gagné. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Si tu veux vraiment que je fasse ce que j'ai l'intention de faire, il me faut un signe. Très bien, très bien. Tu l'auras voulu. Ruth, chérie, quand Chet Madison a insisté pour avoir un tête-à-tête avec toi, j'ai pensé qu'il fallait qu'on surveille la conversation. Au cas où il aurait plairé quelque chose qui pouvait nous nuire. Et j'ai fait installer des micros dans tout ton appartement. Tu as fait quoi? Ma fille, il n'y a rien que tu puisses me dire que je ne me suis déjà répété 100 fois. T'es qu'un fouille poubelle, un sus-godasse, un voyeur, un ravisqueux! Bon, je ne m'en étais quand même pas dit autant, petit chéri, mais il faut que tu saches que ce qu'on va faire, c'est pour servir la sainte cause. Pour ce qu'il y a sur ces bandes, c'est ce qui s'est passé dans ton appartement. Je suis désolé, mon petit ange du bon Dieu. On est pris à la gorge, on a une chance de s'en sortir si ce monsieur sait ce qu'il y a sur ces bandes. Je me suis dit que tu préférais peut-être faire la commission toi-même. Je te remercie. Ruth? Mais de quoi parle-t-il? Quand je te dis qu'entre Chet et moi, il n'y avait que de l'amitié, je t'ai menti, on a eu une aventure. Ce qu'il y a sur ces bandes, c'est l'écho de... Dites, c'est en stéréo? Je voulais t'en parler, mais j'attendais qu'on en termine avec cette grande première. Est-ce que tu l'aimes? Bobby, je sais à quel point ça peut être dur pour toi, mais vois-tu, le temps nous presse. C'est demain qu'ils viennent interroger Rudy. Alors écoute-moi bien, il y a une femme et des enfants. Tu lui dis que s'il veut régaler son public avec l'avortement, on est prêt à faire beaucoup mieux. Ce ne sont ni ton chantage, ni tes menaces qui le feront changer. Il joue dans la catégorie grand justicier, même s'il doit en crever. C'est quand même pas le Christ, ma fille. Il doit pas avoir des points faibles, il est comme tout le monde. Moi, je vous dis que vous ne boxez pas dans la même catégorie, c'est tout. Mais vas-y, fais ce que tu veux, après tout. Voilà. Ça y est, on nage en plein chantage maintenant.
C'est pour notre église, Bobby Joe, pour notre église. Cette fois, ça ne marche plus. Bobby Joe, je me suis consacré pendant 40 ans à cette église. D'ailleurs, ma femme a divorcé, oui, elle disait, tu n'es pas marié avec moi, tu es marié avec l'église. J'étais à la congrégation, à ton père et à toi. Toi, mon fils, tu es ma seule famille et je te considère aussi proche de moi que le fils que je n'ai pas eu. Et je te demande d'écouter ce qui va suivre. En tant que mon propre fils, il y a un moment, quand j'ai pensé que cette église allait plonger, j'ai mis un petit peu d'argent de côté pour toi, Bobby. Oui. C'était au cas où il s'agissait des fonds de l'église, je n'aurais pas dû le faire. Mais ces charognards de la télé ont découvert cette erreur funeste et ils étaient prêts à la retourner contre nous si je ne leur fournissais pas quelque chose de croustillant. Je me suis senti si confus et si affolé que je leur ai dit, pour l'avortement, oui. Moi, oui. Si cette église bénie est réduite à néant, c'est moi. Moi le responsable. J'en appelle à ton pardon, Bobby Joe. Je meurs de honte. Je t'implore à genoux. Ne m'envoie pas dans la tombe avec ce poids sur la conscience. Je t'en supplie. Je suis bon. Bon, on commence gentil et calme, et ensuite, gros plan. Major. Je crois que nous sommes bientôt prêts. Oui, mais avant de commencer, nous aimerions vous parler un moment en privé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Non, non. Entrons là. Monsieur Madison, le fait est que certaines cassettes sont entrées en ma possession. Lester? N'était absolument pas au courant. Je crois que ça ne regarde pas plus le public que cette malheureuse histoire d'interruption de grossesse que vous semblez si empressé de lui livrer en pâture. Mais si la vérité doit être révélée, il faut qu'elle le soit entièrement. Warren, j'ai décidé de laisser tomber l'histoire de l'avortement. On passera la bobine concernant les guérisons dans son intégralité. Je pensais que ça te ferait plaisir. Allez, on remballe. Eh bien, si on remballe, on remballe. Il n'y a plus d'interview. Content pour toi que ça se termine de cette façon. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pour ta précieuse intégrité, tu as failli écraser ma petite existence, mais pour ta famille... Pour ma famille, c'est exact. Pour ma famille. Mais tu t'attendais à quoi, au juste? Rien, va.
va, c'est pas bien grave. Tout baigne. Vous savez, révérend, votre profession possède un code moral des plus fascinants. Aussi fascinant que le vôtre, monsieur Madison. Sois béni, mon fils. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez, tous les deux? Bobby Joe. Et qu'y a-t-il? Lester, vous savez ce que j'ai fait. Oh, pas grand-chose. Rien de tel qu'un gentil petit chantage, mon fils, quand il s'agit de préserver les intérêts de Dieu. Je ne voulais pas parler de ça. Mais de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je viens de placer cette église en position de devenir le plus important pouvoir religieux de l'histoire de la foi. Dans la soirée de dimanche, seulement en une heure, je vais pouvoir m'adresser à plus de personnes que Paul n'aura pu le faire dans toute sa carrière. Aujourd'hui, dans cette pièce, je me suis senti le chef de cette église pour la première fois. C'est mon église, la mienne. Je peux enfin la conduire où je le choisis. Maintenant, Lester, je suis en route avec elle vers la gloire. Well, you're destined for glory, no matter what you do. Glory, 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 glory. Yes, you're destined for glory, don't you believe that's true? Glory, 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 glory. Someday you will get there, the Lord is calling. Bobby Joe! Bobby Joe! Oh, Ruth, viens voir. Est-ce que tu crois que je peux porter une veste dans le genre western, ou alors, vu le genre de l'émission, il faut que je reste un peu plus classique? Oh, mais ça me semble très bien, Bobby Joe. Écoute, ça y est, j'aime Dieu. Je l'aime, je te dis. Oh! Ah, mais c'est formidable! Tu as donc retrouvé la foi? Ah, non, non, c'est nouveau. Avant, avec les guérisons, disons que je m'étais un peu laissé griser par l'ambiance. Mais là, c'est vrai. J'aime Dieu! Ah, mais je suis vraiment content pour toi, tu sais. Oui, mais si on pense au public de New York, ça va peut-être le dérouter. Non. Et tu sais pourquoi je peux l'aimer maintenant? Vas-y, dis-moi. Parce que je viens tout simplement de réaliser qu'il n'est pas parfait. Alors là, j'avoue que je ne te suis plus très bien. Mais s'il l'était, il n'aurait jamais pu nous créer. Nous? Mais l'ensemble des humains. Toi, moi, mon oncle, Chet, on n'est rien. On n'est rien du tout. On est des pêcheurs, oui. Mais non, on n'est rien. On n'est même pas des pêcheurs. On n'est rien. Tu parles qu'un Dieu parfait ne pouvait pas nous faire ça. Si c'était le cas, il n'y aurait vraiment pas de quoi l'aimer. Et tu ne trouves pas? Tu veux bien me choisir une cravate qui aille avec cette veste? Ah, mais une fois qu'on a compris que Dieu n'était pas parfait, qu'en plus, il n'était pas tout-puissant, que certes, il avait fait de son mieux pour créer le monde, mais que ça ne s'était pas avéré aussi bien qu'il l'avait espéré, on imagine mieux la tête qu'il peut faire. Ce monde, c'est son erreur. Il a regardé toute cette grâce qui s'accumule sur cette planète, jour après jour, siècle après siècle, et ça lui arrache les tripes. Alors ça le rend fou, et il envoie un gros déluge, histoire de tout détruire un bon coup. Mais il sent qu'il ne va pas s'en tirer comme ça. Et il essaie vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses. Il va jusqu'à nous envoyer son fils pour tenter de nous racheter. Ça vire en notre boudin, et on le crucifie. Et nous, on est toujours aussi nuls. Alors il s'assoit et il pleure en regardant son pauvre monde. On va essayer celle-là. Tu vois, ça, c'est un Dieu que je peux aimer. C'est un Dieu qui a besoin de mon amour. T'en prends un parfait, il se fout bien de mon amour. Il a besoin de rien. Mais un Dieu plein d'imperfections, ce n'est que grâce à notre amour qu'il aura la force de s'attacher à nous et persévérer. Ah oui. Oui, ça, c'est un Dieu que je peux aimer. Tu viens de soulever un point de théologie des plus intéressants, et j'aurais plaisir à en discuter avec toi à l'occasion. Mais en tout cas, il est clair que le Saint-Esprit a éclairé ton cœur de sa grâce. Et pour ça, je remercie le Seigneur. Les enfants, hé, les enfants, allez, venez, venez. Ça y est, c'est l'heure.
À la grâce de Dieu, Bobby Joe. Je te dis bonne chance, Rudy. En piste! Et que Dieu vous bénisse. Oui. Un, deux, trois, quatre. Bon, allez, cette fois, c'est parti. Serre le regard, hein. Je décompte. Prêt? Cinq, quatre, trois, deux, un. Caméra 9, maintenant. Sur le coup. Mesdames et messieurs, bonsoir. En direct de Los Angeles, la chaîne ATN est heureuse de vous présenter l'heure du renouveau avec le révérend Bobby Joe Stockey, la chorale des Compagnons de Jésus et les danseurs de Roger Dalton. Voici donc réunis pour vous les artistes du Seigneur avec en vedette Sœur Ruth. Oui, très bien, très très bien. Attention. Oui. Arrêtez la musique! Coupez! Je ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Puis tu gardes ce plan. Restez attentifs, soyez prêts à parer à tout. Parce que chaque fois que je me donne un spectacle, je vais vous dire, c'est un mensonge. Et vous méritez mieux que ça. Vous pensez bien la connaître, la sœur Ruth. Mais il y a toute une partie d'elle-même qui vous échappe. Elle n'est venue que pour le fric. Non, 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 non. Elle vous utilise, vous, cette église. Et Dieu. Mais pour la faire sortir de là, va la chercher. Sachez que lorsque je vous disais... Mais enfin, que la tu deviens fou, quoi hein. Avec la fornication, eh bien, j'étais en train de forniquer moi-même à tour de bras. Je sais que vous êtes contre l'avortement. Eh bien, non seulement j'en ai fait un, mais je suis revenue chanter. Et voilà, c'est la balle de match. Oh, j'en ai assez de cette hypocrisie, j'en veux plus. Car maintenant, oui, maintenant, je viens de comprendre ce que c'était. Que de vraiment aimer Dieu. Je ne peux pas rester parmi vous plus longtemps, car aussi longtemps je vais rester, aussi longtemps je vais continuer à polluer la sainte église de Dieu. Vous avez été pour moi la seule vraie famille que j'ai jamais connue. Je suis désolée. Elle décide de prendre tout sur elle, on n'aura plus qu'à faire semblant d'avoir été au courant de rien. Mais il revient, quoi. Ruth, s'il te plaît, attends. Elle a commis tous ses péchés avant d'avoir fait la connaissance du Christ. J'ai commis les miens en tant que ministre de ses évangiles. C'est comme si tu lui avais caché la face. Dieu t'a pardonné, Ruth. Amen. Et il t'a sauvé dans le bain de sang de l'agneau. Alléluia. Alors que je prêchais la chasteté, je pratiquais la fornication. Alors que je prêchais la sincérité et l'honnêteté, je pratiquais la corruption, la duperie et le chantage. Je savais que cette femme faisait usage de la drogue. Je savais qu'elle s'était faite avorter. Et je n'ai rien dit.
Je suis fautif, il faut que je quitte cette église. Pas toi, Ruth. Pas toi. Non, Bobby Joe. S'il y a quelqu'un qui doit quitter cette église, c'est moi qui suis coupable. J'ai utilisé ce prêtre. Je l'ai utilisé. Non. Lui et l'amour infini qu'il porte en vous tous. Le voilà bien le seul péché qu'il ait commis. Notre Christ bien-aimé n'a fait que donner son corps terrestre pour nous sauver, mais ce garçon a quasiment fait le don de son âme pour votre rédemption. Vous m'entendez? Amen. Ne le laissez pas partir, dites-lui de rester. Dites-leur bien, ne partez pas, restez s'il vous plaît. Dieu Seigneur, oui. Fais-nous un signe pour qu'il reste. Pardonne-leur, Seigneur. Restez. Dieu, dis-leur de rester. Restez. Alors quoi ?